Bon bah du coup, Putain. est-ce qu'on se ferait Je t'en pas suite ficherais. d'un petit Storage Wars? Ah, toi aussi, t'as envie de réouvrir Ouais des mec, containers? putain, Je pense Storage qu'à ça. Wars là? Je pense qu'à ça, c'est trop. Oh là là là, c'était lourd. Vous voulez, vous? Vous voulez ouvrir des containers et faire des enchères? Vous voulez La dernière faire fois? un Pawn Stars Storage Vous étiez Wars-like? frustré la dernière fois? Eh bien, sachez que pas du tout. On va refaire du bateau. Yes! Yeah! World of Warships, code boom. Non, pas du tout. C'est bon, on lance les containers. On est Alors, toujours Bobby Jones. Bobby Jones. Je vous laisse mettre à jour le titre, les modos, si vous pouvez. Merci beaucoup. Adorable ces modos, hein. Bobby Jones. Deux Est-ce secondes. que j'ai pas le temps d'aller me chercher des petits biscuits pour bober là un petit Vas-y, coup? vas-y, vas-y. C'est vrai que c'était vraiment pas mal ce jeu-là. Voilà. T'es sur Parsec encore ou pas? Oui. Ok. Charger la dernière sauvegarde. Putain, je me rappelle pas de la dernière fois où on a continué un jeu. Enfin, Hey, ce genre de jeu. j'ai acheté tes cartes machin là. Mais quoi? Tes cartes de je sais pas quoi. Ah! Mes cartes, mec, je cautionne pas de fou non plus, hein. C'était pour l'expérience. Tu m'as bien baisé la gueule. Hein. C'est pas très très bon. Hein. Non mais c'est pas mauvais mais genre je crois que je fais. Mais c'est de la gaufrette. Oui! C'est de la gaufrette au chocolat! T'es un enculé, ça coûte une Eh blinde. oui, Damien! Du coup, tu sais, genre, j'ai mangé, j'ai fait. Mais il m'a baisé la gueule Oui, mais maintenant tu sais! Oui, ça là. coûte cher, hein! Ouais, ça coûte super cher. Ah! Bon, on avait fini de vendre tout ce qu'on avait eu. Mais il fallait qu'on aille chercher Ouais. cette vieille horloge. À une belle grange de Tante Marie. Oh, ça coûte cher l'essence, Nixon. On avait plus beaucoup d'argent, mais on avait acheté plein de trucs. Ouais, non, on s'est refait l'intérieur. Ouais, Là, on a c'est une vrai. belle boutique. On avait une étagère très moche d'ailleurs, et ça fait chier. Trop hâte de savoir la suite de l'histoire avec les aliens. Pas du tout. On joue pas pour ça. Hein. Ah, une vieille maison. Sympa. Je Ok. pensais qu'on faisait que des granges. Bon, et là, on a tout notre temps, du coup, on va la foutre à 100% cette putain de maison. On va tout trouver. Ok. T'insistes? Ok. J'ai envie de tout trouver. Et en plus, c'est Tante Marie, je suis sûr qu'elle a des très jolies choses à l'intérieur. Bon, Ah ouais, ça, j'avais oublié je le qu'il ferai va à la nettoyer, fin. putain. Mais normalement, c'est toi en plus qui fais ça, là. C'est genre, c'est moi. Non, j'aurais peut-être fait, on sait pas, Tu vois, là, en tant que joueur, tu te dis, allez, avance! Mais en fait, bon. mais. Ouais. Ouais, non, il y aurait ce sentiment de frustration de Putain, tâche mais faut incomplie qu'il si jamais je récupère. le ferais pas. Le mec récupère les journaux, tu sais. Alors. Ce sera grand. Bon, je vais aller à la maison de Tante Marie. Écoutez, on nettoie parce que c'est dégueulasse déjà. Voilà, ça c'est pour la communauté, c'est important. Non, vraiment, Hop! ça rapporte pas Je pense pas beaucoup, qu'ils ont hein. besoin de leur banc. Je leur Non, mais. prends. Ouais, ah, quoique, c'est quelques dollars en vrai, C'est. hein. Bah, tu Eh. vois, au final, bout à bout, c'est quand même. Eh, hey, 1 euro plus 1 euro plus 1 euro. Ouais, tiens. Je suis bien plus riche qu'avant. En plus, il me faut des matériaux. Tu sais qu'on a besoin de matériaux. C'est vrai qu'on a besoin de Parce matériaux. qu'on a rafistolé une belle Yamaha qui était quand même magnifique. Mais ça coûtait cher. Oh, c'est une enchère! Ah, Ah, putain! attends, 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 attends. Laisse-moi regarder un peu le bousin. C'est grand. Tu sais très bien qu'on va faire en sorte de la voir. Moi, je pense qu'on va tout à fait faire en sorte de la voir, cette belle maison. Oh, le beau bousin là qu'on Ah va se ouais. payer. Bon, bah écoutez, sans plus attendre, face à tous ces losers. Hey, l'équipe. Il faut quoi là, ici? What? Mais c'est l'alcoolique? Ah, mais c'est l'alcoolique, c'est Bah oui, c'est oncle notre Billy. oncle. C'est oncle Billy. Pas de soucis, oncle Billy, je t'ai pris pour quelqu'un d'autre, tout va bien. Hey, déjà 774 dollars. Hein. Allez, c'est C'est parti! parti. Alors, on a 300 dollars pour la maison, hein, c'est beau. Enfin, pour l'intérieur de la maison. Augmente doucement, doucement, et tu Ouais. mets un coup de massue. À la fin, quand il doute. Ouais. J'attends un peu. Tranquille, tranquille, attends.
Mais c'est que 774. Mec, on va perdre. On a perdu. Ah merde. On n'a pas assez d'argent. Attends, attends, si ça s'arrête là. Putain de perte. Mais on a forcément perdu en fait. Mais il y a une autre technique ou pas? Attends, je vais bourriner. Ouais, montre que tu l'avais absolument. En mode, ça sert à rien, les gars, je compte la prendre. Non, mais c'est un montage. Mais je l'aurais jamais, je l'aurais jamais. Mais comment on fait? Mais merde! Ah, mais c'est vrai que sur la carte, il y avait marqué plus 2 500 $. Donc en fait, ouais. Suis venu sans le sou. Je suis à clochard en ah, fait. Ah merde, en plus t'as payé 3 trucs d'essence. Oh. Et faut les repayer à chaque fois. Oh non. Oh là là. Oh, oh ouais, 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 ouais. Attends, laisse-moi voir jusqu'où ça va pour qu'on revienne. Bah, plus de 1 500, hein. Pff, oh là là, les fumiers, on mais a pris bien cher. On a pris bien cher. Bah, on va... Ah là, c'est pas avec les petites canettes qu'on va faire quelque chose, mec. On va faire des thunes ailleurs, hein. Je vais me barrer. Faut revendre l'oncle Billy, faut lui revendre un rein. Ah bah, du coup, tu vois, il est volontaire. Ah non, putain, coup dur quand même. Hein. Pff, ça va. Ouais, bah, t'as beau ramasser tes petites merdes, t'arriveras pas à 1 500. Hein. Bon, eh bien. Putain, on va payer pour rentrer. On est foutu. Oh, c'est chaud. Ah, le jeu devient dur là, hein. Ah là. Bah, il faut qu'on trouve une grange et qu'on. Voilà. Bon, on va faire un World of Warship, écoutez. On l'aurait voulu. On peut se taper une grange. Là, j'ai plus rien à vendre, quoi. Email. Vous en avez assez des jeux vidéo sur la violence, les armes et le sexe? Oui. D'accord, d'accord, d'accord. Barn Hub. Ah mais on peut même pas aller sur Barnub. Niquez-vous. Comment on fait? C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est un arbre de compétences? C'est des objets légendaires? Genre Frog Circus, le truc... Ah ouais, Frog Circus, on avait commencé à le tu monter. Vois, faut peut-être les compléter. Bah pour du chaque coup, celui 40 dans l'automobile, on l'a fait. Vous obtiendrez une peinture pour voiture gratuite. Mais du coup, il y en a peut-être que j'ai... T'as dû en compléter un, forcément. T'as fait la. Pièce auto. La Jama. Bah alors. Que c'est que roue arrière de Jama. Ah oui. Ah, ah oui. Voilà. Les thunes, les thunes. Ok. Console Miko, évidemment. Mais mec, on gagne pas beaucoup, hein. Ouais, par on contre. On est loin des 1 500. Par contre, attends, c'est pas. Attends, t'as pas d'autre. Ouais, bah ouais, c'est. Ouais, ouais. Oh, ça nous ouais, a pas donné ouais, beaucoup, le 4x4 Joe Quest. Allez, 5$ pour le 5$, 4x4 Joe super. Quest. Trop bien. Je suis refait. Ah, bah ouais, bah du coup, réactive tous les trucs, toi. Ok. Mais on n'aura pas 1 500. Non, ça va faire de 5$ en 5$. Faut qu'on trouve une nouvelle mission de grange. Hein. C'est important, là. Bon, on a le droit. Bah j'espère, sinon le jeu est fini. Il n'aurait pas fait ça. On peut trouver des objets, tu sais, ceux qu'on n'a pas trouvé dans les granges là. Il y en a qu'on n'a pas trouvé, donc on a. Il y avait des granges pas complétées. Ouais. Ça on s'est fait combien déjà là? Attends, ça continue. Je vais voir. J'ai envie peut-être de finir. Un peu de chance, là on a 2 000$, on sait pas. Hein. Ouais, sûrement, man. Regarde ça, eh, ça continue. Hein. Hop, hop, hop. Ouais. Eh mais non mais je vous le dis moi, je vous le dis. J'ai rien arrivé au 40. 36. Ah. Oh. Très bien, écoutez. Attends. Ouais, il y avait une notif. Il y avait un truc. Dans l'assemblée. Ouais d'accord, c'est là. Ok. Je croyais qu'on pouvait tout faire d'un coup. Ah ouais, ok. Ok. C'est bon. Dommage, on a fait 37 sur 40. On s'est fait combien, du coup? Ah, pas même pas 1 000$. C'est pas mal, mais c'est pas assez. Bon, attends, on va se payer une grange. Hein. Un petit bout de tranche. Et de je peux pas aller sur Barnup, donc peut-être qu'il faut que j'aille dormir, je sais pas. C'est pas lié au mail? Je sais pas. Dis, Billy.
Ouais, toi tu sais pas, Billy, tu dis de la merde. Il est bourré de toute façon, hein, tous les jours. Mec, il commence à casser toute sa maison pour avoir de l'argent. C'est Le bon la charme. dèche. Oh, j'en ai pas besoin de cette théière. Non mais bah, putain, non mais non. Oh là, par contre. Ah ouais, non, attends. On a Oh. beaucoup mieux pour dormir. On est chez soi ou on n'est pas Où on chez n'est pas chez soi? soi. Alors, j'hésite Attends. entre Oh la non, non, trouve-moi, il y en a une French. de. Ouais, non, mais Souviens-toi. notre Oh petite alors, préférée. souviens-toi. Ma petite préf. Ah, j'avais oublié ça. Ouais, pour ceux qui n'étaient pas là la dernière fois, c'est normal, il y a des petits passages un peu cringesques. Tout va bien. Ah, il n'y a pas de nouveau trésor Non, depuis la non, dernière fois que j'ai non, non, vérifié. fouille pas ta baraque de merde là. Je peux pas l'emmener à vendre. Oh. Oh ouais non. Oh. Eh. Eh quoi? Ah. Ah attends, peut-être que tu dois. Vas-y, pète-moi ça là. Ouais, madame. Ouais. Ça Voilà. dégage ça. Là, ça a du cachet. Pas besoin de chaise, on travaillera Pas debout. Pas besoin de famille. besoin. Voilà. Le besoin de Oh, tu pètes lumière. pas la lampe. Ah, oh, Oh, c'est des les toilettes PQ d'or. paper d'or. On Mais a ça un veut truc dire qu'il récupéré y en 3? a. C'est-à-dire qu'il y en a peu, en fait. On a que 3. Enfin, on a 3. Je pensais qu'on avait récupéré que 1 ou 2. Non, laisse tout Ok, ça tranquille, bon, on y putain. va. T'aurais bien pété la chaise sur laquelle t'es assis, hein. J'ai failli, mais bon, j'ai pas fait. Oh, salut. Alors, pitié. Barre de bête Ah, accessible. Barnhub! Ok. Ok, y'a quoi qui était. Bah, la grange rouge. Coyote Woods. De toute façon, ils ont remis des nouveaux objets, hein, il avait dit. Ah, on peut voyager pour rien. T'as vu? Ah, c'est gratos, une fois qu'on a Donc payé c'est bien. pour. Vas-y. Et là. Va à la grange rouge, ils ont dit qu'ils avaient remis de nouveaux objets. D'accord. C'est parti alors. Vu que tu me demandes, pour moi ce soir ce sera pâte au saumon fumé remis dans la crème fraîche avec du beurre d'ail. Attends, crème fraîche, beurre d'ail? Ah c'est gras, j'ai jamais dit que c'était léger. J'avais jamais dit que c'était diététique. Est-ce que tu mangerais? Imaginons, t'as une petite boîte de nuggets McDo dans le frigo depuis Non, 3 3 jours. fumier, oh la Tu vache, les manges ou non. pas? Non, 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 tu vas me jeter ça Du tout de coup, suite. trop tard, je les ai mangés. Oh non! Trop tard, c'est dans mon ventre! J'ai hésité tout à l'heure et je me suis dit, j'ai faim. T'es vraiment un sac à merde! Putain! J'avais faim. Du Ouais, coup, mais je les ai merde, je fais mangés. des. En fait, toi, ce qu'il te faut, il faut que t'achètes des trucs qui peuvent se faire très très rapidement, genre Ouais, mais limite dans le en four moins de là. 30 secondes en vrai. Moins de Ah ouais, 30 non, mais secondes. t'exagères. Non, non. Non, mais si c'est au four. Oui, au four, c'est bon. Bah, Oh! achète tout ce qui est. Oh, ça te prend ça? Combien? 50. Trop bien. Tu sais, une petite tarte aux poireaux. 20 minutes au four. Tu manges des tartes aux poireaux, toi? C'est bon une tarte aux En vrai, poireaux. c'est vrai que Ah, j'ai j'ai toujours jamais dit que trouvé. c'était ça non plus. Tu sais, il y a de la crème dans la tarte aux poireaux, hein. Ouais, en fait, j'ai jamais mis les. Bah, tu 75 $ seulement? vas. T'inquiète pas qu'on le vendra au moins à 150 On dollars. va négo, hein. Garde-moi ce petit trou du Avec un cul. bon croupion comme ça. Non, franchement, c'est bon, là, on prend ça. Ok, Pourquoi tu bon. prends pas des pizzas surgelées comme ça tu les fais vite fait? Ah, Ça se fait en non, un ça quart d'heure c'est au four. dégueulasse. C'est Quoi? pas bon, les pizzas surgelées. Mais tu les achètes où tes pizzas surgelées? Je prends pas de Parce que pizza moi, surgelée. mes margaritas de chez Picard, elles sont délicieuses. Ouais. Ouais. Non mais attends, c'est pas un mec qui vient de bouffer des nuggets du frigo qui date de 3 jours qui va me faire une réflexion sur les pizzas surgelées là. T'es On croit rêver, dégueulasse les en nuggets vrai. McDo. T'es vraiment dégueulasse. Oh, tu me dégoûtes, mec. Ah, tu me dégoûtes là, t'es. Fais tout. Ah, tu sais quoi?
Moi je suis pas pour, parce que je me dis autant cuisiner soi-même, mais achète-toi les petits plats surgelés Picard là, en vrai ils sont plutôt bons. Je vais plus assez chez Picard. C'est bon. Ah ouais, toi t'es un mec qui a un Picard qui est loin. Moi c'est Un vraiment en bas peu, de chez moi quoi. ouais, bah ouais, Je c'est pour ça. descends, j'ai Picard. Un peu moins de motive. Ils font pas livrer Picard? Si, 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 si. Bah Mais avec le alors Covid, j'avais arrêté parce là. que c'était des livraisons genre dans un mois. Salut. Ouais, non mais c'est fini maintenant. Ouais. Avec la société qui paye là, alors ouais, bah c'est Ouais, pour le boulot. super! Mais J'ai pris une mec, tarte au c'est avant de poireau faire un live. pour le boulot. La margarita là, bah c'est avant de faire mon live, pour le boulot. Hey, y a pas beaucoup de nouveaux objets ou je rêve? Attends, attends, attends. Déjà, il n'y a pas 50 000 objets par truc, hein, c'est rare. Il hein. n'y a que quelques objets. Hein. Ouais, que quelques objets, hein. Bon Ouais, non, sang. mais il y a l'extérieur et tout. Hey, faut grimper à l'échelle aussi, hein, tu l'as pas fait tout à Ouais, y l'heure, a mais. l'échelle. Là, nettoie bien de fond en comble le rez-de-chaussée. T'inquiète pas, je fais, je fais. Les débris là, Y a plus par rien. terre. C'était pas des débris au sol? Ah, il y a une bouteille là, près de l'armoire, la commode. Ah non, c'est un pied, pardon. J'ai eu peur, je me suis dit Ça, chouchou. c'est pas des débris au sol qu'il y a là? Ah si ça. Oh. Ah non. Oh non. Mon C'est mauvais. clean. Ah. Non. C'est Non, ça se clean. peut pas. Ok. C'est clean. Maintenant, passons à l'étage. Là, on va trouver un peu les pépites. Et là, le trésor. Non, le matelas plein de pisse, c'est mort. Même pas ici? Bon bah ça doit être dehors. Surtout qu'on n'a jamais su comment passer de l'autre côté, hein. Non, jamais. On a toujours pris une solution alternative. Ok, bah. Super. Comme quoi. Eh ben, il reste la moitié des objets. Eh ben, peut-être cette belle Souviens-toi. brouette. Le... Ah, la Ah oui. brouette. Ça part Combien? 100 dollars la brouette. 100 dollars! Plus que le clébard. Genre, c'est des fois ils estiment bizarrement leur produit parce qu'elle est Bah bonne, elle est ouais. belle, mais pas non plus. Je veux Mais c'est dire. comme les mecs de Storage Wars, hein. Si, ils font n'importe quoi. Hein. Expert en La lampe brouette de là. chevet, 10 dollars. Hein. La voiture, 2 dollars. C'est bizarre. Sur le toit, va y avoir une Y'a. connerie. Hein. Oh oui. Oh, tiens, donnez-moi les animaux, les gentils des animaux. Ouais, on peut Je récolter les vends ça. vaches. Attends, derrière toi, Ouais, 180 j'ai vu degrés. le. Voilà. C'est dégueulasse de récupérer les bottes de paille, ça se fait pas. Putain, on récupère des broutilles. Oui, c'est vrai que. On est un peu sans gêne, hein. Ça se récupère tout ça, écoutez. On Y'a pouvait rien qui est monter. acheté ici. On pouvait monter sans? Ok, on pouvait monter sans. Bah ouais, c'est comme ça que t'as fait la dernière fois. Non, la dernière fois j'avais fait une montagne. Oui, mais je veux dire, on s'en était rendu compte qu'on pouvait passer par Ouais. là. Putain, y a. Mais attends, objet restant, il en reste Ah, je là. vais les voir, je Je vais les voir. partirai pas sans mes objets. Ah, moi non plus. Oh! Inflammable? Ok. Quand même tenté, hein. Putain! Non, mais Bon, bah, objet restant. on va refaire un tour. Non, mais c'est du foutage de gueule. On va Pardon, refaire hein. un tour. Mais là, j'avoue que. Pas évident. Pas évident à voir On ce a qui fait tout reste là. dans la gouttière. Oh non. La gouttière, vous allez chercher un peu loin là. Vous allez loin quand même, je trouve. Pardon. Vous smoke some weed. L'appel, l'appel. Vous m'étonnez. Pourquoi tout le monde dit l'appel? Elle est L'appel. où? Elle est où cette En fait, c'est pas pelle? compliqué. Si vous saviez vraiment qu'il y a un endroit, vous diriez tous la localisation de l'objet. Et vous dites juste l'appel. Elle est où C'est-à-dire, cette vous nous vilaine mentez. pelle? Vous êtes nul. Vous êtes nul. Vous ne savez pas mentir. Pour l'instant, je suis de cet avis. Ah, l'appel pour creuser. Ok. Ah, ok. Ils sont pas Ok, cons, hein. ok. Ouais. Il faut trouver l'endroit à creuser. Normalement, ça se voit. Ça fait un genre un peu de débris au sol bombé. Ouais. Ah non, c'est le... La poule! Vole la poule! Oh! Mais tu peux, vraiment? Je peux On pas peut la la marquer, je revendre? peux pas la marquer pour le transport. Je peux la lancer par contre. Tu peux la... Ah, T'as tué la poule, je lui là? ai fait mal, je crois. C'est un déchet, maintenant! C'est un déchet. T'as tué la poule, tu l'as étranglée! Je peux rien en faire en plus, c'est du Mais gâchis. tu peux la découper avec la hache? Non, ça veut pas, ça la prend juste. On a gâché une poule. Désolé pour le gâchis de la poule. Voleur de poule. Ouais, mais bon. Bon bah, t'essaieras d'en faire des nuggets, ça fout au frigo. Après, je les garde 3 jours. Alors. C'est quoi Deux. ça? J'appuie sur deux. Ah, ok.
Ok. Ouais, non, j'avais espoir, mais. Bon, bah écoutez, même à creuser, j'ai l'impression qu'il n'y a rien, quoi. Je vais aller derrière la grange. Derrière, et ensuite, va dans la baraque, tu peux peut-être creuser dans la maison. Ouais. Tu vois, des fois, le sol est un peu détruit, il n'y a peut-être plus de plancher. Putain, merde, je peux ramasser le purin là? Ah. Oh. Suis prêt à revendre ma merde, moi, je m'en fous. Putain, j'ai envie de finir là. Ah, attends, les débris là, qu'il y avait. Il y avait des biens nets. Ah ouais, ça. Ah non. Putain. Non mais. Là, derrière. On partira pas sans nos objets, donc Non, donnez-le fais nous. chier, merde! F1. M'en fous. Oh les enculés! Trop bizarre. Trop On bizarre. n'a pas tous les objets, quoi. Bah écoutez, là, si vous avez une idée, on est preneur parce que. On peut juste faire ça en Ah, fait. c'était ça. Ah d'accord, on a vraiment fait un pont de merde pour rien quoi. Ah elle n'est pas morte! C'est bon, elle C'est est bon, vivante. elle n'est pas morte! Dans le toit? Ouais, non. Peut-être que tu peux monter peut-être de l'autre côté du toit? Parce que tu sais, on est monté à droite, tu peux monter à gauche. Par l'extérieur. Ah ouais. Bon, déjà, saute et regarde s'il y a un truc sur le toit, quoi. Ouais, non, y a rien. Putain, c'est ouf! C'est trop dur là, je sais pas. Et en haut du moulin? Vu qu'il y a un petit rebord, est-ce que tu peux pas. Ouais, je crois pas. Ah non, il y avait de l'idée, hein. Dommage. Bah là, je vois pas. Il faut Ah, améliorer la pelle. ah ouais? Peut-être. Bon, on se casse. Hein. Putain, merde! Là, je vois pas. Les objets! Putain, on a dû se faire une misère. Bah, on va peut-être réussir à se faire 500$. J'ai du mal à le croire, mais bon. Objet 3 sur 4, hein. Il en manque un. Bah ouais, mais il était où? Bizarre. Parce que là, on n'a pas grand-chose à vendre en plus, hein. Bah, fais-nous un joli présentoir. Wow. Le loup, tu le mets sur le présentoir le plus cher. Oh. Ouais. Quoi? Tu fous de la gueule du Y a un monde? truc que je peux pas. Bah, la brouette, elle va où? Bon. Vous vous foutez de ma gueule? Elle est endommagée, elle a quelque chose? Ah, la Ah, fière allure, voilà! hein, la fière allure. Bon alors, faut aller dormir et on va ouvrir le magasin, puis on va faire des ventes incroyables. Et des ventes musclées, hein. Là, il faut faire des ventes très musclées. Faut qu'on fasse un profit de 500$, non, on n'y arrivera pas là. Il y avait vraiment un truc dans la gouttière. Bizarrement, j'en crois pas un mot et en même temps, vous le dites beaucoup. Non, j'ai rien vu, mec. Ouvert! Ah. J'ai des beaux articles On va aujourd'hui. attendre des clients. Ça devrait plus tarder. Ouais. L'appel le plus puissant, c'est un vrai truc. Outil à vitesse moyenne. Ouais, c'est la vitesse quoi. Ouais, mais on a On plus s'en fout. d'argent donc. Ah, bonjour, bonjour, bonjour. Oh, très bon Ah, il choix. fait coucou, c'est vraiment de la merde. Bon, alors. Non 75 $, bah, vous là plaisantez. beaucoup plus, là beaucoup Vous plus. plaisantez. Non, non, mais Oui, non. non, mais non, mais non, bah non. Là, montez au moins à 95$, quoi. Ah, merci bien, voilà, quelqu'un de 100 120 $. dollars! Ça part à 100 dollars, mais C'est bon. oui. Super. On n'avait aucun goût. Alors, Oh, ça regarde, là, tu 50 vois dollars, que c'est son monsieur prix fait des d'origine. travaux. Non, non, non. Non, ça part à 80$, cette histoire. Oh, yeah. Même pas. Oh yeah! Tu Allez, loues? allez, sortez de chez moi, Ouais. sortez de chez moi. Sortez de ma Enfin boutique bon, là. bah la Bon. brouette, va falloir faire un profit de ouf sur la La brouette. brouette, c'est du x2, hein, c'est du 200 $, hein, au moins. Elle est belle, j'ai même pas nettoyé, mais elle est rustique, elle est Oh, belle. c'est une belle brouette. J'attends. Allez-y.
Ah, bonjour madame. Alors, 110 dollars, vous faites déjà une offre? Mais je ne peux marchander qu'une fois avec vous. Hein. Oui, bon, bah, cassez-vous. Hein, allez, pareil, bon, allez, vous êtes bon, quelqu'un de bon, désagréable. Vous. Dégagez. Oh, vous serez affiché sur le mur de la route. Les jours comme ça, là, vous êtes banni. C'était peut-être le seul client potentiel pour acheter les brouettes. Il est déjà midi. Quoi? Qu'est-ce que... Qui êtes-vous? Billy, est-ce que t'as vu quelqu'un? T'as pas vu quelqu'un passer là? Bizarre. C'est vous qui êtes venu juste avant? 100 dollars, ouais, bah ouais. Marchandé deux fois. C'est tout. Oui, oui, 135 dollars seulement. Tu veux qu'on tente mieux? Vends-lui cette merde, c'est bon. Allez, prends-la ta brouette et que je t'envoie plus. Il nous manque 200 dollars. Bon. Direction le Barn Hub. Il nous manque même peut-être plus, hein, je sais pas. Mais non, c'est vrai qu'elle est partie à 1500 la dernière fois. On avait Quiet Woods, hein, là où il nous manquait des objets. C'est vrai. Un endroit chiant, mais pas fini. C'est vrai que l'endroit était très chiant. C'était trop sombre, donc chiant. Hop. Objet restant, bon, il y en a plein. Pardon? Effrayant. Putain, là, avec la paix, on aura de la merdasse. Ah ouais, oh, putain! 375 dollars! Oh, ça part à la 400. Vache. 425. Oh. Mais, plus que ça, 450, malade. Oh, c'est beau! Oh la vache! Oh, c'est un John Krasowski! Ce tableau n'est pas l'original, mais reste très célèbre. Mais les, ça, les gens ne le savent pas. On dira que c'est l'original. C'est l'original. Incroyable, en parfait état. Signé de l'artiste. Magnifique. Ça, c'est super. Vraiment une bonne chose. On commence très très fort. C'est au premier miroir. Il y a que deux objets en fait. Hein. Ah, oui. Ah oui, objet restant, oui, d'accord, c'est très léger. On est un peu dans la merde. Mais rien qu'avec cette vente, on pourra acheter l'autre baraque. Ouais, c'est vraiment quelque chose de bien là déjà. Du coup, j'ai un peu l'impression qu'il n'y a pas eu de nouveaux objets. Tu vois, parce qu'il manquait deux objets la dernière fois. Ouais. Et là, il en donne que deux. Encore là? C'est l'agent du fisc, esquive-le. J'espère vraiment qu'il faut pas le trouver en creusant, mais je pense pas. Ah, peut-être, hein. Vu la taille du bordel, on devrait bien creuser. Au pire, tu sais quoi, on se prend la tête, hein. Là, on peut revendre, hein. Fais le tour de cette maison, ouais, puis je regarde vite ça fait mais... pas chier. Hein. Parce que ça se trouve, ça va être un truc évident. Parce que tu vois, regarde, tout ce que t'as cassé est déjà cassé. Il n'y a plus rien. Je pense que c'est la maison d'origine. Et là, si on doit chercher l'objet qu'on n'avait pas trouvé la dernière fois... Oh, pardon. Putain. Désolé, j'ai vraiment pas fait exprès cette fois-ci. Là. Pardon, j'ai mangé des flageolets. Oh. Ok, bon. Bon, bah, on rentre à la voiture. Et on va revendre cette œuvre à 450 dollars, ni plus ni moins. Le PQ, c'est vrai qu'on n'avait pas trouvé le PQ ici. Ah ouais, on n'avait pas le son. Parce qu'on n'avait pas le son. J'ai failli être coincé, vraiment. En même temps, il faut le son. Si là on n'entend pas le PQ. Perso, j'entends rien. Hein. Putain, il est nul cette lampe. C'est honteux. Tu peux l'améliorer, je crois. Ah oui, c'est vrai. Ça coûte cher. On n'a pas les fonds. Bon. On reviendra pour le PQ doré. Oh, dommage, la corde, j'ai cru que c'était un objet à loot. Ah, dommage. On reviendra pour l'objet et le PQ plus tard. Ouais, merde. Déjà... Allons revendre cette imitation à prix coûtant.
Allez, c'est parti pour arnaquer quelqu'un. Toi, c'est notre métier d'arnaquer les gens. Hein. Oui. À chaque fois. Oh, s'il vous plaît, mettez-le. On va aller se poser où ? Oh, on va devoir l'accrocher au mur, non ? Tu l'as peut-être pas pris dans ma sortie là. Ah, il pue. On va le nettoyer. Bon, bah, fous-moi un coup de karcher dessus. Coup de karcher dessus. On va niquer la toile là. Tout va bien. Ah oui. Il est toujours en bon état, vous inquiétez pas. C'est comme ça qu'on nettoie les tableaux. Hein. Voilà. Si vous en avez chez vous, quand un peu de poussière, prenez le karcher à fond. Un bon coup de jet d'eau. Voilà. Écoutez, ça m'emmerde. Pourquoi fous-le là-dedans ? Voilà. Alors là on va avoir un problème. Là, on commence à avoir un problème, cependant. Parce que si on peut le mettre nulle part, il est propre. Attends, ça dit qu'il y a encore des cafards dessus, c'est le cas ? Non. Non, il va bien, là. Juste, il pue. Bah. Pas emmerdant le son. Bah. Comment on fait en gros là ? Putain, genre sérieux, on peut pas le vendre, c'est... Est-ce qu'il nous faut un présentoir, tu sais, à tableau ? C'est pas un objet de mission. Je pense pas. Bah non hein. Si ça se trouve c'est un objet à mettre sur un présentoir hein. Sur un... Comment on appelle ça ? Pas un trépied mais Ouais... Un chevalet, c'est ça je crois. Tu peux pas acheter un chevalet ? Plus quoi encore ? Je crois pas. Je sais pas, vu qu'on peut customiser des... Ah. Alors aucune idée de pourquoi ça a marché mais ça a marché. Ok. Qui est trop pressé d'aller se coucher et de le vendre. Oh là là, dès que je vois marqué kebab sur le mur, là j'ai trop faim. Trigger à chaque fois, putain. C'est atroce. Allez, ça va partir très vite, précipitez-vous. En fait, c'est pas les mêmes ici. Étagère murale moyenne, grande étagère murale, c'est pas pareil. Ah, d'accord, oh bah. Ouais. On se regarde dans le blanc des yeux. Vous voulez pas ? Non. Je laisse la place au client. De toute façon, quelqu'un va arriver dans quoi ? 2 secondes là. 1, 2, c'est parti. Hey, un amateur d'art ici. Oh. Pas mal. Pas assez, ma gourmande. J'ai dit 450. Oh, c'est exactement ce que nous voulions. Oh, oui, madame. $500. Oh madame, merci, vous avez refait ma journée, je ferme ma boutique. Oh putain, ça c'est bon. Oh là là. Eh ben, c'est on possible. Va s'acheter la baraque là. C'est le moment de se faire des couilles en or. Paf. C'était inespéré hein. C'est énorme. Franchement, trouver un truc comme ça, on peut faire les enchères easy. Normalement, on est bien. Bon, maintenant on peut parler là. Allez, ramenez-vous les pauvres. Bon, faut y aller doucement quand même parce que. Ouais, bon, vas-y, doucement. T'as vu parce que des fois ça grimpe pas si haut que ça. Doucement les gars, tout à l'heure vous avez été à 800. Ok, petit coup, peut-être prochain coup. Ça gros c'est coup. Bon. C'est bon, ça arrête à 800. Putain. $400 pour stonk le truc et. C'est mon dernier coup. J'attends un peu. Non. Je peux plus jouer. Bah ouais, t'as plus d'argent. Ouais. Putain.
Faut qu'on se la fasse pour pas trop cher là, sinon c'est de l'argent jeté par les fêtes. Fenêtre. Effectivement, le commissaire priseur, c'est Sylvain. Hein. Ah, salut Sylvain! Comment vas-tu? C'est Sylvain de chez le stream. Hein. C'est le modo. Nice. C'est le modo qui bannit tout le monde. C'est le chef des modos. Regardez. C'est le colonel modérateur, regardez. Je suis impressionnant là, arrêtez donc, arrêtez. Voilà, voilà, voilà les bouffons. C'est bon, putain. Bouffon là. Mec, à 4$ près c'est mort. C'est pas une bonne affaire en vrai. On a tout dépensé, putain. Tout dépensé. Quoi? Oh non. Duke Tucker. Ce bon vieux Duke Tucker, mon ennemi juré. Putain. Je fais la FK. C'est quoi? C'est la technique de la FK. C'est tranquille. Laisse faire, tranquillou. T'inquiète, t'inquiète. Mais bah ça va Sylvain. Et là je mets un gros coup. Mais putain stop, merde. Non. Oh là, ils sont énervés. Ils sont énervés aujourd'hui. Hein. Mais arrêtez quoi. Non mais c'est bon, non mais c'est bon, on peut déjà plus, on peut plus jouer, on peut plus jouer. Allez c'est bon, hop là. On l'a, je te dis on l'a. C'est trop pour eux. Ils ont plus les moyens. Ils s'embrouillent entre eux. Duke Tucker, encore toi vieille fripouille. Ah ouais, t'es en mode j'essaye, agressif. Mais ça marchera jamais, c'est sûr. Oh, imagine nous sortir pour 800. Ah ouais, non merde, j'attends, fais gaffe. Pourtant, tu montres que t'es déterminé à l'acheter. Hein. Allez, stop. Mais c'est bon. Oh. En vrai, le jeu est rigged parce que tout à l'heure, ça partait pour 1500. Mais même pas, tout à l'heure ça partait pour 800 et quelques. Non, c'est arrivé à 1500 à c'est certain moment. C'est de la triche de ouf. C'était ouf. Touche plus à rien jusqu'à temps que ça t'affiche le temps restant. Ouais, ils faut qu'ils arrêtent aussi de ils partir viser. Tout seul. Là, ils vont partir en couille. Je le sais. Ils s'engrènent entre eux. Hein. Là, ils partent en couille. Un bon 400$ là pour claquer la gueule à tout le monde là. Mais ils ont le cuni. Duke Tucker. Ils ont des thunes illimitées là. C'est scripted. Hein. On n'augmente plus. Touche plus. Touche plus à cette putain de souris. Dis à ce clavier. Laisse faire. Marche pas, ça. Ils vont se passer. Elle est déjà venue au magasin, cette connasse. Hein. Ouais, ouais, bah, lui aussi d'ailleurs. Putain. Ils vont quand même pas augmenter tout seuls. Ils vont s'arrêter. C'est bon là, c'est pas mal là. Il y en a qui va lâcher un gros 200$. Non mais là c'est mort. Ça, vas-y. Laisse-les faire, on va voir. Putain. Non, mais... ça allait être bon. Hein. Mais tout à l'heure, ça te disait combien? Mais putain.
Bon, après, c'est mort. Après, sur la mission, il y a... Non, mais... Ouais, non, mais c'est bon aussi. Bon, bah, laisse tomber, on l'a dans le cul. Putain. Le truc, c'est que tout à l'heure, c'était à 1500. Rigged. Mais si on revient avec 2500, par je ne sais quel miracle d'ailleurs, ils vont faire quoi? Ils vont dire que c'est 3500 maintenant? Ah, j'espère que non, putain. Bon, faut qu'on trouve... On trouvera jamais. On ne trouvera jamais. Il faut qu'on... Donnez-nous des boulots. On n'a pas de job. Connard. C'est vrai que si on s'était pas fait voler la dernière fois, bon sang. On s'est fait voler les chiottes. Les belles chiottes que t'es cher. Ok. Est-ce que ouais, là il y a des nouveaux on trucs l'a, on l'a tout, on a tout pris mec à entrepôt hein. Est-ce qu'il y a des nouveaux trucs aux enchères? Non, je pense. Vas-y hein, tu vas dessus mais moi je pense pas que... qu'il y ait d'autres trucs. Il faut 2,5K mini, sinon le jeu vous empêchera d'avoir la maison. Une fois que vous aurez les 2500, vous l'aurez pour 1000$. Je suis pas sûr, hein. J'ai vu des gens dans notre chat dire que je l'ai eu pour 2300 et tout. Hein, parce qu'on a vu, hein, vous avez essayé le jeu depuis notre live. Hein. On a ouais, bien ouais, compris c'est que, ça, ouais. Que vous aviez envie, vous aussi. C'est quoi cette voix? Pourquoi elle pleure? Quoi? Il veut qu'on rachète un truc du coup? Objet restant, bon, y en a. Ouais. Ça se trouve, il y en a un, hein, parce que vu que la barre est grosse. Vous voulez pas nous refoutre une bagnole en bas? Non, mais c'est pas possible qu'il y ait un objet ici. Ou alors il a été placé. Parce qu'on a tout fouillé. Ça. 150. Ah, ouais, d'accord, il y en a plusieurs. Boîte ah à oui, repas, fait chier, quoi. Mickey, 45$. Ils vont remplacer par là quoi. Ils sont remplacés à l'arrache. Un tuyau d'arrosage. Oui. 68$. Ouais. C'est pas encore ce qu'on veut, hein. C'est pas le deuxième. Non mais ils ont vraiment mis des objets n'importe où quoi. Ouais. Le fusil sur le canapé, je vous emmerde. Là-dessus, je vous emmerde. Que ça soit bien clair. Ok. Tout ça m'a l'air clean. À quoi ça sert? Complètement con. Concernant voilà, le reste des objets, il faut... Comme le restant là, faut ouvrir l'œil quoi, parce que... Faut le donner, parce que... Ah. Ah, effectivement. D'accord. Comme ça. Mais est-ce que le commissaire Priseur, il veut faire une autre vente de garage là, ou pas? Je pense pas, il a dit à bientôt pour une nouvelle vente. Ok. Par contre, s'il y a un autre objet, et... je l'ai pas vu. Je pense pas qu'il soit dans la map ici, hein. Ah, ça. Comme quoi, tu vois. On parle et on sait rien en fait. On sait rien du tout. Hein. Dans ce monde. Il en reste quand même un. Qui doit être. Ah. Voilà. Ok. Voilà. J'espère que l'objet n'est pas trop petit. Oh la fortune! Les gens sont des porcs. Et heureusement pour nous. Ah. Ah. Et ben voilà. $30. Putain. On a tous les objets. Pas grand chose, hein. J'aime bien ce bruit. T'es content, quoi.
Bon, c'est une petite vente, hein. C'est pas ça qui va nous aider. Je serais d'avis de carrément attendre d'avoir plus avant de faire une vente parce que. Non, t'es un malade. On se fait chier, mec. C'est quoi cette vente de merde là? On va voir les 2500 là. Avec ça là? Putain. Easy. Regarde les conneries qu'on a récupérées. Putain. Ça se revend cher, ça, c'est une petite fortune. Bien négocié ça, on se fait facile 1000 dollars. Ça y est, c'est fini. Ça y est, ok, bon bah. Ils lisent au moins le chat. C'est le mec, il a dit ça parce que tout le monde dit fusil. Il s'est fait pranker lui-même et en plus il nous fait des reproches. Qu'est-ce qu'il veut lui? Non mais Qu'est-ce qu'il veut? ils ont même pas lu fusil dans le chat, c'est bouffon. Il lit au moins là parce que tout à l'heure il dit notre fusil là. Vous faites pranker tout seul. Ils s'entretuent. Vous nuisez à vous-même. Client? T'as ouvert la boutique? Oups. J'étais Ouais, c'était pas distrait. d'arriver. Pourquoi tu fermes toujours les portes arrière en mode RP? Parce que les gens. Voilà, c'est mieux. J'allume la Sinon ça fait radio. pas propre. Ah là Tu là 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 là. 150? Non, 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 non. peux marchander deux fois. J'attends mieux la prochaine fois, s'il vous plaît. J'attends mieux, j'attends mieux. Elle va partir à 30 dollars de plus. C'est 38 dollars de pas plus, mal, c'est pas mal. putain. 200 dollars, c'est bien. C'est Bien vrai sûr que que c'est bien. pour chacun. Oh, ça va en fait, ça coûte plus cher que ce que je Bah, je croyais. t'ai dit, Ouais, je on suis est content. large. Papa, regarde-moi tout ça là. Bah oui, on va se faire des couilles en or là, on les a les 2500. C'est bien. T'as pété? Non. Me suis dit, t'as bougé ton micro, je me suis dit, qu'est-ce qu'il vient faire là? Là oui. Oh, one shot! Allez, allez, non, ok. Oh putain! Oh! Ouf! C'est tout! Quoi? J'ai fait un truc de fou! Non! Ça méritait Allez, de faire un truc casse-toi! de ouf là! Casse-toi, Allez, putain! casse-toi, bouffon! Pour une fois que j'y arrive! Oh, je vous avais pas vu. La honte! Y'a un client qui arrive et il voit le vendeur qui se baisse et qui lâche un gros P Il se là! relève. Oh, pardon. Casse-toi. À chier. Vous me faites perdre mon temps, mais bon, j'ai besoin de vous. Donc, il devrait faire la technique du faux client. Genre, il vient avec une moustache et il fait genre d'enchérir face à un autre client pour faire croire que cet objet est vraiment. Il y a des gens qui font ça? C'est sûr. Bah. Il y a des trucs de rue où il y a des faux participants, mais je crois pas qu'on est dans les contextes de enchères. Attendez, je ramasse un truc. Cet objet-là que vous voulez? C'est horrible, j'ai une chance sur 5 que la blague marche. C'est étrange. C'était Duke. Ah le bâtard! C'était Duke Tucker! Je lui ai vendu un truc. Oh le con. Tu sais quoi? Il va le mettre dans sa propre boutique, il va le revendre deux fois plus cher, j'ai trop le seum. Duke Tucker. Ça reflète pas la réalité. C'est mal fait. Oh, il va encore marchander de manière super difficile, lui, c'est ça? Oh la vache. Mais nique ta mère, vas-y, c'est T'sais, il rendez. te rigole à la gueule tellement il sait qu'il va t'enculer, c'est Ils sont à dingue. chier, eux. Ouais, bah t'auras rien. Tu vas chercher un amortisseur autre part.
Putain, j'ai mangé des trucs là. Oh, attends, j'allume l'ordinateur. C'est horrible. Attends, mais là c'est là. Ah, le parpaing est mal mis là. Oh. Putain. Attends, mais c'est des acariens que j'ai vu là. On est propre maintenant. Ah. Voilà quelqu'un de raisonnable. Qui va nous prendre à un prix raisonnable. Ça commence déjà bien. Voilà, madame. On est à plus de 200 dollars. C'est nickel. C'est lui qui l'a acheté tout à l'heure, le premier, non? Alors, vous voulez oublier le deuxième? Au fait. J'allais faire une blague, c'est sûr qu'elle va marcher. J'ai mis ce clic. Oh non. Elle pouvait marchander deux fois. Oh, heureusement que je l'ai pas fait sur un autre article, putain. Pas mal. Ah. Oh, j'ai glissé. Ok. Ah, ils sont chiants, ils veulent pas. Il veut pas juste master un objet, lui. Ouais, bah non, enterre lui, c'est mort. Vous allez sortir, hein, voilà. Oh, monsieur. Ah, Sylvain. Mais vous êtes le commissaire-priseur. Vous y connaissez? Oh, marchandé trois fois. Plus 8. Ah, bah, si c'est pour augmenter à ce point-là. Oh, le con. Oh. Pas terrible, ça, coup attention. Hein. Vous êtes emmerdant. Vous m'ennuyez. Voilà. Bon bah c'est fini. On a 2500. Vendu, c'est bon. 2500 théoriquement. On peut y aller. Allez, ça c'est fait. Bon, bah, si pote. Je veux pas qu'il parte à 2500. Je veux qu'on fasse une meilleure affaire que ça. Voilà, pomme vanille, puisque tu me demandes. Ah, je me disais bien que t'étais parti. Je veux qu'on fasse une meilleure affaire que 2500, hein. Vraiment. Elle partira à 1200$. Tu crois vraiment au mec qui t'a dit le truc tout à l'heure? Moi, j'y crois oui. Ça va vite, hein. Ouais, on est trop bon qu'on récupère des objets à l'intérieur de la baraque qui valent plus que ce qu'on a acheté. J'espère que ça va être énorme, hein, parce que là... Bon, je mets un gros coup. Non. Non. Non, non, tranquille. Non, mais... Vas-y, cassez. Scripted. C'est du foutage de gueule. Tu l'avais, ouais, mais je l'avais à un prix dégueulasse. Ouais, ouais, non, mais ouais, attends. Ça coûtait une blinde. J'ai pas fait toutes ces années d'investissement. Investissement pour tout claquer maintenant là. Ouais, ça va. Vous allez pas quand même réenchérir là-dessus. Mais je domine l'enchère. Bon, je réessaye la prochaine fois en touchant jusqu'au bout. Ouais. Oui, 2775. Oui, c'est 2975. Oui, c'est bon. Faites-la partir à 10 000 $, hein. Non, c'est bien, c'est bien. Allez-y.
Ils vont s'arrêter au bout d'un moment. C'est terrible parce que non. Si tu es fatigué, je peux le temps de lire. Dark Samantha avait mis si tu es fatigué. Ok, Samantha. Bon, petit enchère là, regarde. Ok, on fait un petit thé à la fin. Ouais, ouais, juste à la fin. Un thé. Un thé. Tu vois, c'est au dernier moment là. Et... Yes, c'est un bon Allez. Prix. C'est un bon prix. Voilà, en vrai. Voilà. C'est un très bon prix ça. Ouh c'est donné là, c'est donné. 1825, c'est donné. Oh là 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 là. Pff, c'est à nous bravo, ça. Bravo, bravo, oh. Bravo à tous pour cette enchère. C'est beau ça, putain. Oh, ça va être bien. Allez, on y va. J'ai des miettes de gâteau dans le nombril. Tu peux toujours les manger, hein. Moi, je vais pas me gêner. Ah ouais, te gêne pas. Ça, c'est beau, ça. Oh une... Pour les animaux de compagnie. Une cage... Comment ça s'appelle ça? Une cage de transport. Ça porte un autre nom, non? Je sais pas. En tout cas, c'est pas très cher. Putain, c'est quoi le nom? Donnez-moi le nom que vous donnez à ce truc-là. Hein. Moi, j'en ai, mais je ne trouve pas les appels. Ou un sac de transport. Je vais passer à la poubelle à chat, moi. Ah, genre, tu crois que c'est le truc Wishy? C'est pas le truc mais Wishy. Mais non. C'est pas la litière, je sais que c'est pour le transporter. Et du coup, tu dis une poubelle à chat alors que c'est pas pour. Mais non, mais c'est pas vrai. Non, mais je comprenais pas là. C'est juste que je sais pas comment j'appelle ça, mais je savais pas que j'appelle ça une cage de transport. C'est juste que quand j'en ai dû en acheter une, j'ai mis ça sur Amazon. Enfin, j'ai dû mettre ça. Ah, on n'avait pas de clé, d'accord. Oh quoi? Ok. Oh bah c'est simple. Ça va, c'est pas compliqué. C'est bon. Il y a une voiture sous le drapé. Oh putain. Et elle a l'air vraiment pas mal. Hein. Une voiture elle de collection, mec. Elle est énorme. Ça, c'est une voiture de 1920 ou un truc comme ça. Elle est énorme. Regardez la longue. Oh putain, j'avais raison. Regarde bien. Elle va être incroyable. Je vous fais. C'est une Renault 1900. Oh, oh la vache. Vache, je les ai laissé tomber. Oh oui, oui, oui. Oui, 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 c'est la bonne pièce. On y est. Vas-y, vas-y. Nettoie bien tout autour. Je nettoie. Fasse le reveal. On va faire un reveal en due forme. Oh, oh 73. Mais je vous c'est emmerde. Pas, c'est pas beaucoup là-dedans. C'est beau pourtant. Bon. Oh, 112, oh pas mal, pas mal. Cette trompette. Un petit coup de polish et hop, ça repart. Un bel aspirateur à 195 $. C'est vrai qu'il est très correct. Hein. C'est le Dyson de l'époque. Hein. Il est... C'est nickel là. Hein. Il a 4 roulettes. 3 roulettes. Confort. Très très bien. Maniable. Oh. Oh. Oh, il est bien un truc secret là. Oh. Oh. Salope. Eh bien, je crois qu'on est prêt pour le reveal ultime. Okay. Pour moi, là, c'est une voiture américaine 1920. Vraiment, je reste convaincu. Pour moi, ça va être du
du 2000$. La Rolls. Putain, c'est pas cher. C'est pas cher. C'est pas du tout assez cher pour ce que c'est, putain. 1345. C'est ça, même si on passe un coup de polish dessus là, on peut pas la rendre plus chère. Puis tu me retires là-dessus les 150$ de transport et on est plus dans nos frais hein. Ouais. Puis il y a les taxes, il hein, y a les impôts. Hein. Quel milieu droit. On s'en sort à peine hein. Moi ils me prennent à la gorge hein. Ah, je suis détruit là, vraiment je suis détruit. Bon, je pensais que c'était la pièce du siècle. C'est dur. Espérons que la suite soit très bonne. Vivre au milieu des porcs. D'accord. Je croyais que c'était la Bible au début. En fait, c'est bon. Oula. Attends, on peut pas le prendre ça. Ah, si. Cette pièce était salle de bain rapide et très sale. Hein. Ouf. C'est plein de merde. Ouh. Il y a pas mal de merdasses. Bon, on va aller à l'étage. En espérant trouver la clé, d'ailleurs. La bouteille, ouais. On a tout fait, là, rez-de-chaussée, c'est nickel. Ça a l'air d'être vraiment nickel, là. On pourrait manger par terre, c'est bon. C'est parti. Heureusement qu'on a notre hache. Ouais, sinon sans la hache, c'était foutu. C'est-à-dire que les mecs sont rentrés pour graffer, mais ils ont pas pris cette magnifique trompette. Complètement con, les gars. Oh la. La pire chaise. 301. Ok, je peux dire ce que j'ai dit. Excuse-moi. Oh là là, voler directement dans une église, ça, c'est pas possible. Oh, c'est beau. Ça, 301. Je la mettrai pas autour de ma table, mais voilà, vraiment je peux, bon. Je peux la vendre à quelqu'un. Nickel. Non, tu laisses cette dame tranquille. C'est de bon goût. Oh, c'est parti. Mon dieu. Bon, on est sur le même modèle que tout à l'heure. Même serrure. Cring. Ah, le BQ, tu l'entends? À première vue, oui. Sur le toit. Bon, à première vue. Qu'est-ce que c'est? On en avait besoin de ça, on c'est a l'écran PC, d'ordinateur. Hein, c'est on a l'écran, on va pouvoir le vendre. Oh, et quand c'est assemblé, ça vaut cher quand même. Hein. Ok, parfait. Et la souris? Oh, vas-y, bah c'est bon. Nickel. Ouais. Luna le chien. Ah super. Oh. Très bien. Ah, je pensais qu'on pourrait le vendre. Dommage. Oh, ça c'est directement 115. Pourquoi que 115? Putain, mais les meubles c'est rare, attendez, oh. Pour moi ça vaut plus cher, mais en fait. Mais l'immobilier nous arnaque parce que c'est vraiment pas très cher finalement les meubles. C'est pas cher là, hein, putain. Parce que moi je peux te dire que quand je rentre chez Maison du Monde, c'est une autre tambouille. Tu mets un coup de polish et normalement ça part plus cher quoi. C'est quoi ce bordel? Ok, on n'a pas trouvé la clé. C'est pour ouvrir quoi? Il y a une porte en bas qui nécessite une clé et on peut pas la crocheter. Ça c'est la merde, mais elle est peut-être dehors. Et le PQ, et le toit, ok. Faut aller sur le toit tu vois. On n'avait pas de clé. On passe dehors par l'autre côté. Déjà, ça, le garage, on y a accès. On y a accès. Ouais, bah on y a été. Oh ! On est con. Oh ! Oh, y a un truc à récupérer là. Ouais, mais ah, je peux presque l'atteindre. Ok, il faut à tout prix qu'on y aille. Panier de basket ? Non. La gouttière, je peux revendre la gouttière ? Il faut à tout prix qu'on y accède. Comment on va faire? Sans cette maudite clé, elle est peut-être dans la boîte aux lettres. On a acheté la baraque, on devrait avoir la clé. On s'est encore fait arnaquer, putain. C'est du déchet, ça. Non mais... Oh, oh, oh.
Quand on va trouver la clé? Non mais si elle est cachée peut-être dans le frigo, tu sais, genre dans un meuble que t'ouvres et il y aurait la clé suspendue quelque part. Ce serait pas ridicule hein. Oh merde. Où est-ce qu'ils auraient pu cacher la clé? Rien dans la cuisine. Cette salle de bain était bien vide, il y aurait pas de clé quelque part. Dans le trou des chiottes, non. Ça. Ah, pardon. J'ai fait à côté. J'ai fait à côté. Oh. Ah, oh, dommage. Putain. Il y avait un espoir de clé là. Putain, je crois que je me baisse, je trouve d'autres déchets. Ici, on a bien poncé. Hein. Normalement. Ah oui, c'est bien nettoyé là. Et j'ai pas vu de clé là-dedans. Non. D'ailleurs, j'ai jamais vu grand chose dans ces trucs-là. Bon, on verra pas de qui. Hein. Ça a peur d'être dans le garage. Ce n'est pas dans le garage. Elle est accrochée à côté de la porte. Tu mens. Vilain menteur. Vous mentez. C'est ridicule de mentir comme ça. Pourquoi vous mentez? Ça rime à rien. Mais c'est ridicule de mentir comme ça. Quel voilà. Intérêt? Avec ta pelle dehors. Oh non, non, non! Si, il a peut-être enterré la clé dans le jardin. Hein. Je vais creuser après, mais bon. Oh, pardon, je suis un peu stressé. C'est le stress là! Non, mais là, on aurait pu passer. Et l'armoire, tu peux la pousser? Parce que t'es mal, il y a un problème là de logique de dans l'immeuble, enfin dans la maison. Oui. Il y a clairement une pièce derrière et c'est bizarre qu'on puisse pas y accéder. Puis c'est quoi ça? Oh, c'est un bout de placard cassé. Si tu veux mon avis, c'est un accès handicapé vers une pièce secrète. Tiens, tiens, tiens. Tu vois? Un petit bouton à l'intérieur de l'armoire qui ouvrirait la porte. Pourquoi ça dit qu'elle était accrochée à côté de la porte? Genre vraiment, vous avez inventé ça? Clé sur un des murs de la chambre. C'est pas à côté de la porte. Donc ouais, ouais, c'est pas à côté de la porte. C'est pas à côté de la porte. N'importe quoi. Arrêtez de mentir. Il y avait du mensonge de base. Il y avait du mensonge de base. Vous nous avez pas aidé du tout. Vous êtes. Yes. Non? Non, ça se casse ça. Oh! Oh! C'est tout! 130. Quoi? Un bon fusil comme ça? C'est une réplique. Oui, mais. Ah merde, c'est une réplique. Oui, mais bon. Bon, pour l'instant, on n'est pas franchement dans nos frais. Hein. Non, pour l'instant, pas du tout. Genre vraiment bof, 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 quoi. Ça s'était beaucoup mieux passé la première fois. Hein. Bah, depuis la déception de la voiture revendue à un prix ridicule. C'est ça, hein, moi je l'ai un peu mauvaise, là. Moi, je l'ai là, tu vois. Je l'ai là. Je l'ai juste là, là, putain. Obligé de casser des parpaings. Non bah mon gosse il va manger des cailloux ce mois-ci, ah voilà. Je
m'en fous. Pour accéder au toit. Pour accéder au toit, tu le mets comme ça là. Oh là. Ah bah ouais, voilà. Très malin ça. Attends, avant. Le trésor dans le jardin. Ça doit être la clé, Terra. C'est la clé de cet endroit. En fait, il est pas nul. Il y a un trésor enterré quelque part. Oui, sur le toit. Tu vas voir. Ouais, le truc derrière là. Qu'on avait vu en sautant. Ouais. C'est au moins du 300$ ça. Ça là ? Oh putain, ouais. Ouais. Ok, j'ai hâte. J'ai vraiment hâte. C'est là, c'est maintenant. Ok. Oh putain. Tiens-toi prêt. Le trésor de Mamie Ginette là. T'es pas chez Nordal. Attends. Si t'es chez le Landais là, ça va être bizarre ce que tu vas trouver. Hein. Attends. Non. Rien de tout ça. Ok, ça doit être incroyable. Ça peut être incroyable. C'est tout. Si s'enterrer que c'est en or. Ah, une urne de crémation. Ah d'accord. Ah ouais, c'est pas... Bah y'a grand-mère dedans. On va la vider peut-être avant. Ok, bon. 165$. C'est vraiment pas cher payé. Machine à laver électrique, portable. Ouais. Donc là il reste des objets, le toit. Bah il va rester l'horloge de mamie hein. Le rooftop. L'horloge de mamie normalement. Ah ouais, c'est le grenier. Il y a un beau grenier. $95. On prend. On va faire une belle vente quand même. Non mais je sens quand même qu'on est pas dans nos frais, vraiment. Non, on est pas très bien. Je t'avoue qu'on est pas très bien du tout. Bah c'est ça, hein, tu sais les missions. Storage Wars, c'est déception sur déception, hein, et il a parfois, fait plus cher. Il y a des déceptions. Hein, c'est... Eh oui, 380$. On la connaît celle-là, on est venu pour ça, mais bon, la déception est quand même immense quoi. Eh oui. Bon bah, on a tous les objets, mais qu'est-ce que vous voulez? Par qu'est-ce contre, on n'a vous... pas. Le PQ, on l'a pas. Alors attends, le PQ c'est très bizarre quand même parce que... Alors ça je dis non. On l'entendait. Qu'est-ce que... Je me suis fait peur tout seul. Pardon. On peut pas... Ouais, pas sur toi. Je sais pas, attends. En vrai je pense qu'il y a un truc comme ça. On peut pas... Il est où? On le voit pas là. Il est dans cette pièce là? C'est quoi ça? En vrai, là-haut, c'était là-haut, c'est sûr, il y a un truc. On l'entendait trop bien. Là. Ah. L'accès handicapé! C'était ça, putain, l'accès handicapé. C'était vraiment un accès handicapé! Oh! Mais attends, ça se vend tout ça, j'espère quand même. Putain, il ne tape pas sur ces beaux fauteuils, mais putain, c'est dommage. Quel dommage ça. Quoi ça sent... Putain, non mais. Mais faut être débile mais... C'était le statut du 15ème siècle. Faut être débile. Oh putain. Oh, je suis énervé, je m'en vais, je me casse. Je fais un peu les poubelles vite fait avant. Raccoon là. Ouais, ravi de. Caracolo. Vous êtes tous des merdes. J'ai hâte de vous revoir pour vous plumer. Ouais, bon bah. Ouais, au pire, laisse-la, hein, 1300$. Allez là. Et on a tout fait, 100%. Au moins, c'est complet. Là, c'est complet, c'est complet. On n'a pas à trembler du menton, tu vois, on peut repartir fier. C'est une ref à Twin Peaks. Est-ce que j'ai une gueule à regarder Twin Peaks? J'ai pas regardé Twin Peaks. C'est une ref à High School Musical. Voilà ce que je vous réponds. J'ai chié votre ref.
Ah ouais, Twin Peaks paraît que c'est bien, mais ça a l'air tout très chiant. Probablement bien, mais chiant. Ah, quoi? C'était là avant, ça? C'est quoi, ça? Pourquoi ça me dit rien? Bizarre. Quoi, tu poses pas les objets avant de... C'est vrai que je peux le faire ici, maintenant. On n'améliore pas, on n'a pas de thunes. Hein. Non, on n'améliore pas, bah... Écoute, si on arrive déjà à se faire dans les 3 000 $ au final, on aura de la chance, c'est moi qui te le dis. Tellement d'objets? Bah ouais, mais bon, c'est de la petite, c'est de la camelote, quoi. Ouais. Faut qu'on assemble des trucs. Il faudra pas qu'on se fasse voler. J'ai envie de le faire maintenant. Tu peux, hein. Il est quand même 4 h du mat. Oh, ça va. Alors, à nettoyer. T'auras pas la place pour poser. Il va falloir nettoyer mieux que ça. Ah, bien sale, hein. Ah, faut que la boule bleue là elle soit partout, quoi. Oui, on nettoie du bois au jet d'eau, et alors? C'est du bois traité. Ce genre de remarque, hein. C'est bon, hein. Oh là là. Et voilà. Assembled. Appuie sur le bouton rouge. Pardon. Non. Ah, la souris, la souris. Ah merde, il manque le clavier. La souris et le clavier. Ah là là, le ouais, clavier, mais ouais, c'est un coup on dur. A la souris, mais on n'a pas le clavier. Coup dur quand même. Elle est très rigide, cette souris. Le fil est très dur. Ouais. On peut taper quelqu'un avec. Vous vous foutez pas un peu de ma gueule? Ça correspond quand même, hein. C'est une souris, quoi. Qu'est-ce que... Pourquoi vous me faites chier? Il faut la laver. Non. Attends. Bah ouais, putain. Ah ouais, alors? Bizarre. Bizarre. Revends la pendule. Les tunas, c'est parti. On verra ça demain, je suis fatigué. Je suis RP. Faut qu'on se fasse au moins 3 100 $ en total. J'espère. Sinon, je vais l'avoir mauvaise. J'espère, mais j'y crois bof. Nouveau mail. Ouais, vous nous emmenez sur une autre affaire, mais là on a du pain sur la planche. Aujourd'hui, c'est la tunasse qu'il faut se faire là. Allez mes petits pigeons, ramenez-vous. La voiture, c'est vrai. Ah ouais, la bagnole, bah elle est là. Ça on l'avait vendu la dernière fois, ouais, il fallait que quelqu'un vienne. Ok. Alors, il y a beaucoup de clients, 215 heures, c'est une belle pièce. Ok, hein, c'est bon, vas-y, tu peux marchander deux fois. Oh là. Vas-y, tu lui vends. De base, il partait déjà il était bien à un parti. Bon prix. Qu'est-ce que tu veux faire avec ce mannequin, toi? Oh. Putain, mais il me récompense pas, hein. Seulement 10 $ pour un tel effort. Je les déteste, là. J'ai pas envie de discuter avec eux. Non, mais t'as bien raison de les envoyer chier, hein. J'avais fait un 100% sur un truc comme ça. C'est pas possible. Les fouilleurs de grange. Notre événement spécial, la guerre des enchères. Votre récompense, popularité. Non mais moi on paye pas en popularité. Ouais, c'est... je sais quoi, moi je suis un graphiste, moi. C'est quoi ça? Tu vas me retweet, c'est ça? Bon, c'est quelque chose, mais... Ouais non, mais je l'ai lu, hein, je l'ai lu, votre truc de merde, hein, je... Ouais. Non mais je te paye en visibilité, mec. Ouais.
Quoi, ça pue? Vous aimez pas mes objets? C'est pas mon meuble en rotin? C'est un problème de corde vocale ou... dis donc, ça doit être dur à... Enfin bon, c'est pas mes oignons, c'est un bon prix. Ouais, presque 200$, écoute. Je vous le laisse. Oh madame. Vous aimez cette machine à laver portative? Portative, vraiment, c'est juste parce qu'il y a des roulettes. Hein. Ah, vendu. 41$, vendu. Là, ouais, vendu, écoute. Enfin, je sais plus où donner de la tête, c'est incroyable. On rentrera jamais dans nos frais. Il y a la voiture qui arrive, hein, mais bon. Attends. Ah oui. Voilà. Oh. Ah non, le coup de pied au cul, dans les bourses. Putain. Mais vous êtes qui, vous? Vous voulez ma voiture? Voler. Coup de pied dans les couilles. Ok. Ouh, allez. C'est pas mal, hein? Eh ben, c'est pas mal en vrai. Hein. 2000$ quasiment, allez. Moi je la voyais à plus de 3000$, donc bon, de toute façon, dans tous les cas, je suis déçu. On était déçus à la base, mais là c'est pas mal. Oh non, vous me cassez les couilles, agent. Mais c'est bon, vous pouvez partir. Vous posez toujours les mêmes questions. On achète ou on part, voilà. Ici, on consomme, on achète ou on part. Ah, si c'est pas ce Duke Tucker. Te faire raquer, enculé. T'es une merde. Là. T'es pas le bienvenu ici, Duke Tucker. Tu l'as pas retapé pour lui, crois-moi. C'est une belle offre déjà. Bah ouais, déjà. Mais dis donc, je vois que monsieur est un connaisseur. Sylvain Pigeon. Très bien, c'est nickel. Je suis très content de faire affaire avec vous. Sylvain. T'as plus 130$ que de prix de base. Ça quel vache. Pigeon ce Sylvain. Oh le Yankler. Yankler de Sylvain là. Oh là. Chaque fois il se fait arnaquer, hein, c'est quelque chose. Toujours la tête de con. Alors. Pourquoi il est en rouge, Bico? Permettez-moi, Martin Sparrow, d'acheter votre entreprise. ouais, bah non. Non. Salut les fouilleurs de grange, j'ai un boulot pour vous. J'ai besoin de ce radar au sol, 580$. Devrait être à son ancien ranch. Ouais, bien sûr. Je le voudrais moi-même, ce truc-là. Oui, c'est vrai que c'est pas mal. Il va faire beaucoup plus de profit que 580$ de son côté. Salopard. Bon, personne n'est intéressé par nos articles. Ah, bah voilà. Ah, quand même. Yeah. Il a pas d'animaux, hein. C'est pour se mettre dedans lui-même. Oh. Vends-lui. Allez, je sais pas ce que vous allez faire avec, mais prenez-le. Je veux pas le savoir. Ah, mais là, je pourrais avoir le double de. Ah, de débris, ouais, mais bon. Ça, le crochet niveau 2, c'est à guichon aussi. Hein. Des salons de difficulté moyenne. On verra après selon ce qu'on a. Oh. Lui, tu sais, il est très lent, mais il augmente pas beaucoup. Ça va. Mais vend lui quand même. Ça va. Ah ouais, trois fois, attends. Un... Non, tu pouvais. Mais non, mec. Merde. Mais là, tu fais de la merde, hein. Putain, non, ça, je suis bon. On va manger du gravier, hein. T'es dans le verre. Luna de Clébar, allez hop, tu dégages. Attends, putain, y'a plus de bouquins là. Faut remettre des magazines. Allez, péter la machine ou quoi? C'est vraiment le juste prout. Oh, je rigolais, non, j'avais les yeux en pleurs. Oh, c'est nul comme affaire, je veux pas. Vas-y, faut que je me concentre. Ah, 33$ de plus, c'est quand même pas mal, vas-y. Ça peur là. Pas mal. Oh. 180. Allez, vends-lui, ça lui fait plaisir. C'est pas mal.
Putain, j'ai les genoux qui me font mal. Ah, ça va. Oh, un coup de pied dans les couilles. Si tu peux marchander deux fois. Quoi, mais. Putain, ça sert à quelque chose d'être dans le verre ou pas? De toute façon, mec, la partie ira pas beaucoup. Ouais, voilà, c'est la meilleure offre que t'auras. Cherche pas. Putain. Tu lui as fait un prix psychologique là. Vous avez intérêt à acheter cette urne à 200$. Oh, elle, à chaque fois, elle est chiante. Oh, j'ai rien dit. Elle est parfaite. Y'a moyen. Tu l'as raqué. Ouais, ça va. Allez. Fais-toi appeler Fatima. Pourquoi? Elle t'a menacé. Ouais, elle a encore fait sa menace. Avec le tic tac de l'horloge là. On s'est fait 5 000$ quand même. Enfin, non. Oh, on a 5 000$. Ah, c'est vous. Vous le voulez le buste ou pas? Ça vous intéresse ou pas là? Vous pouvez perdre votre temps, j'ai beaucoup de clients. La boutique, là. Tu l'achètes ou tu la quittes, ok, connard? Jolie boutique. Oui, je sais, allez, bon. Allez, au revoir. Hein. Oui, disparaissez. Oh, mais c'est. Il est revenu. Mais je vous ai dit, vous en allez. Oh, le pot de colle. Je vous pose des questions étranges là. Vous faites peur à mes clients. Vous faites peur à ma gamine quand vous passez devant l'école, arrêtez. Madame. Vous êtes intéressé par quoi? Attendez, je vais lustrer cette urne. Ok. Ah, vous avez le livre sur les porcs, très bien. Bon, s'il vous plaît, discutons entre gens sérieux. Oui. C'est un peu mieux. Pour un bouquin, 54$, c'est quand même pas mal, madame. Je c'est vrai que, en vrai, objectivement, c'est cher quand même. Elle est complètement con, celle-là. On n'a plus qu'un objet, hein. C'est le dernier article. Moi, en tant que client, ça ne donnerait pas envie de l'acheter, parce que je me dirais, personne n'en a voulu. Ouais, c'est bizarre, c'est le dernier article parti. On a déjà changé la déco, on est passé full bois. Bah oui, regardez, c'est magnifique. En mode chalet. Plancher, mur. Ah oh. Ce monsieur a de l'argent, il est intéressé par des choses bizarres. Regardez-moi ça, comme il a de l'argent lui. C'est un bon client en plus celui-là. C'est un très bon client ça. C'est un Sylvain de l'espace ça. Très bien, il a la moustache. Parfait. Ok, ben voilà. 5 257$. Bon, on est dans nos frais. Voilà, on va pas chipoter, on s'est fait quand même pas mal de marge. C'est pas le rêve américain, mais quand même on s'est bien démerdé. Je pense qu'il peut être intéressant de faire ça quand même. Mais oui, bien sûr. Sinon, que oui. On va le regretter. Mais tu peux améliorer les deux là. Voilà, sinon on va le regretter. Mais pas plus. Il appelle aussi, il appelle. C'est la vitesse ça. Je suis pas sûr que ce soit intéressant. T'es sûr que c'est la vitesse? Ouais. Autant racheter les serveurs difficiles. Voilà. Bah alors ça oui. Voilà, comme ça on est sûr de pouvoir tout ouvrir. Comme ça c'est fait. C'est fait. Voilà. On sait pas combien. Oh, j'avais oublié, il reste ça. Oh merde. Bah écoutez, vu qu'on avait oublié, on va vous le faire à un bon prix. Allez, on se dit 110$ et on se tape dans la main. Ok, vous avez raison, on va dire plutôt 128. Yeah, elle t'a pas écouté, tant mieux. Allez, c'est très bien. Prenez-le. Il vaut rien. Nickel. On prend la mission, on va chercher le détecteur de métaux. Allez, où le ranch d'Otis. C'est là? Ah ouais, putain, faut payer d'essence. Ah. C'est parti. Il est parti le pistolet? Je sais plus. Je sais plus du tout. On a vendu tellement des merdes. Pas sûr. C'est joli. C'est sympa. Moi je retaperais ça à neuf. Hein. Ouais, puis c'est pas dégueu, attends. On parle de quelle grange là? Ah ouais. Ah, ça de droite. Ah merde, il va y avoir une enchère là, on aura peut-être dû regarder. C'est une enchère ça? Bah, je sais pas qu'est-ce qu'elle fout là si c'est pas une enchère. Qu'est-ce que vous foutez là en fait?
On est vraiment. Imagine un mec qui vient pour un enfer, mais ultra poli. D'abord, il enlève tous les déchets. Je vais nettoyer un peu l'endroit pour que tout le monde se sente plus à l'aise. Puis voilà. Toi, tu m'intéresses vraiment pas en vrai. Objet utilisable. Ok. On avait pas de clé. La clé sous le tapis. Si ça se trouve, il a raison. Incroyable! T'es pas si con, toi! Tu dis pas de la merde, l'alcoolique! T'es pas trop con, ça va! Oh, deux cordes, ouais, ah, ça va avoir plus d'objets là, ça va être incroyable! Hein. Parfois, un placard peut renfermer une trappe. Hein. Donc, Oui, oui, maintenant on sait qu'il y a des secrets. C'est grand. Et ça, c'est. Non, mais ça. Ça, alors ça, c'est attends, du 350 dollars, hein, excuse-moi. Le clavier! Ah, le clavier! Dans un endroit tout non. à fait logique! Par contre, on n'a pas réussi à assembler la souris tout à l'heure, donc oui, j'espère que ça marchera. Que ça va passer parce que. Bon, tu mises combien sur le globe? Je dis 300. Non, c'est jamais, 350. C'est jamais aussi cher, mais. Ouais. Vas-y, ils vont se faire foutre là. Ouais. Ah, quoi que t'es pas loin quand même, 300. Bon, bien, mais. Sympa, mais ça pourrait être mieux quand même. On s'en fout. Ah, les devs. Toujours un coup de hache dans les devs. Ah! C'est du bois jacobéen et c'est seulement 65 dollars! Et je m'y connais en bois jacobéen, mais 65 dollars, j'ai eu ça! Ça, ça part? Ouais, ça part. Ouais, 60 dollars, pourquoi pas. Le pot était très beau pourtant. C'est vraiment dommage. Ouais, ouais. Oh, 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 la petite boîte. Et c'est là qu'on ne regrette pas d'avoir augmenté les niveaux. Bien évidemment. J'ai une simplicité sans nom. C'est vrai. Je crois que c'était une merde au début. Alors, on dirait que c'est une merde. Putain. Mais c'est plus de 200. Alors, non. Non, malheureusement, c'est 125 dollars. Oh. Putain. Pas plus de 200, par contre. Ouais, mais on va dire que t'as quand même dit le chiffre 200. C'est le masque bit, le masque on de fécondité. C'est bien ça. Ah bah c'est vraiment ça, hein. Ça se met au niveau du pénis, hein, c'est très, pas un très bien. Oh la cuisine. Oh pardon. Oh, vraiment, je suis confus. Putain, les visites d'appartement avec un mec comme ça, ça va être atroce. Il veut tout nettoyer. Les assiettes. Oh ah. 40 dollars, pourquoi pas. C'était pas de la marque, écoute. Parce que j'ai un couteau Shenzhou et c'est le prix du couteau seul, excuse-moi, mais. T'as vraiment un couteau Shenzhou ? Oui. Ça coupe bien ? Ça coupe extrêmement bien. C'est. Les pièces de viande, c'est comme si c'était du papier. Ch'tac, ch'tac. Ok. Oh oh oh. Allez, ça c'est gros. C'est 175. T'es trop optimiste, c'est 95 dollars cette merde. Putain, mais. Putain, ça mais... c'est extrêmement cher et la map monte, c'était. Je sais même plus combien. Là, ils se foutent de la gueule du monde quand même. Oh, ça va être beau ça. En okay. plus, elle est même pas fonctionnelle. D'accord. Bon, on a le rez-de-chaussée, je pense qu'il est complet. Il est clean. Oh oui! Oh, en version miniature. Ah, ça, c'est du 40 dollars. Tu sous-estimes là, on est en train de se faire des gigatunas. Ouais, pas trop. Plus, on n'a pas payé pour ici. Non. À part l'essence. À part l'essence. Qui était 5 fois quand même. Ouais, c'était 250 dollars, mais c'est bon, c'est remboursé. Ça va. Puis, putain, le nombre de matériaux. Très bien. Ah. Oui, 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 oui. Par là. On a bien entendu. Oh. 145 dollars. C'est pas mal, hein. C'est pas mal. Pas de problème. Oh mon dieu. Ne stressez pas derrière vos écrans. Vous avez affaire à un professionnel. C'est comme si c'était fait. Et qui dit grosse serrure dit récompense.
Oh, là, alors là, ça. Ah merde, ça c'est pas l'ensemble. Des clés C'est hangar à hangar bateau. à bateau. Non mais par contre ça se vend. Une maquilleuse comme ça s'appelle comme Bah ça. ouais, je pensais que ça se vendrait, mais du coup, Je non. peux, tu sais, je peux ni le casser, n'importe quoi. Oui, super. Je crois que j'ai déjà vu des objets là-dedans. Pas trop dans les tiroirs, pas beaucoup. Oh. Ma balle. Ma balle. 30$. Ok. Bon, je pense que Pas le mal. PQ il doit être sur le toit. Ou dans la cheminée, on dirait. Dans la cheminée, mais dans ce cas-là, il faudrait y accéder quand même par le toit. Ou alors tu rentres accroupi Oh, je peux pas les dans prendre la ceux-là là. cheminée. Et un petit coup quoi. Oh! 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 165$, ça aurait été Putain! dommage! On a fait louper cette merde! Ah, c'est une urne Ouais. funéraire encore, hein. Encore, génial. On va la vendre avec son contenu. Et tu peux pas t'accroupir et aller dans la cheminée? Ah ouais. Ah, c'est une cheminée Ah bizarre, bah c'est. hein. Bah en fait, la fumée s'évacue pas, en gros. Tu C'est marrant. meurs et tu étouffes, c'est tout. Bizarre. Bon, a priori, On a tout fait. c'est pas mal. On va Ici, aller c'est clean. au hangar à bateau. Ah, faudra quand même penser à essayer d'aller sur le toit, hein. Ouais. Comment ça, porte bloquée? On a les clés. Mais oui, bien sûr que si, ça. La porte Ça est se vend. fermée. Il va nous emmener chercher le PQ. Qu'est-ce qui... Qu'est-ce que je fous là? Mais Billy, on n'a pas fini? Mais Ah, on peut revenir espèce de après. vieux Ok. fou! Qu'est-ce que c'est que Mais ce où est-ce qu'il bordel? nous amène? Ok, pourquoi pas, hein? Moi je dis pas non, hein. J'adore les aventures. Oh, les gens jettent vraiment leurs déchets n'importe où. Hein. C'est quelque chose. Hein. C'est très sympa comme ambiance, hein. Alors là, hein? Bah écoutez, on va le faire, c'est complètement con, mais on va le faire. Alors, pas de problème. Craque-toi les bras. Oh Ouais, je vais arrêter de là tenter aussi à gauche, je vais arrêter de tenter à là! gauche, mec! Oh putain! La Kawabunga! tête. Ah non, une tête. Oh! Ça se vend ça? Oh. Oh, c'est dommage. Oh! Oh! Oh, ça pue la Oh tente merde! là! Super le camping sauvage. Gros porc. Non, mais les gens sont des porcs, hein. Tu verrais Woodstock avec les images de 70, c'était une C'est honte, hein. dégueulasse, on voit un beau truc et tout. Non, pas du tout, hein. C'est gros porc. Ok. D'accord. C'est peut-être pas la base que t'as trouvée. Comme quoi, faut regarder partout, hein. Que... Non, c'est extrêmement frustrant, ça, par contre. Ça, c'est pas juste. Non, vous faites Ça, pas c'est ça. pas juste. Vous faites pas ça, par contre. Non, non. Ça me plaît pas du tout. Ah. Oh. Ah non, bah non, vous mettez un truc comme ça. Non, vous faites pas ça non plus! Une petite musique là comme ça, vous Mais allez nous y'a donner un rien! truc. Ah. Ah. Quand même. Bon bah ils vont nous mettre une musique quand on sera près d'un... Oh, à chaque fois que je rentre dans la tente, c'est quand Tu même dommage! pètes dans les tentes de tout le monde! Cynthia, tu dors?
peux pas récupérer le petit morceau. Voilà. C'est bon, tu l'as récupéré du coup. On entendra les tambours s'il y a un truc. Ouais. Il y en a un qui doit être accroché dans un arbre. Bien, bien, bien. Je comprends pas pourquoi il y a de la stamina dans ce jeu, c'est con. C'est vrai que là, pour le coup, il n'y a pas d'utilité à ce jeu de stamina, quoi. Ça m'arrête, là. C'est con. Suivez les déchets. Ah, tu entends? Ça doit être par là. L'appel du calumet. Ouais. Ouais. Ouga ouga. Plus qu'un. J'en ai trois. Je crois que c'est bon. Hein. Non. Toi prendre 4. Non, toi 4. 1, 2, 3. Toi avoir raison. Mais 4 au total. Toi avoir raison, mais 4 au total. Bah cool. Oh. Merci, mais vous êtes bien brave. Ils vont nous donner quoi? Toi, obtenir 3 caisses pour ton effort. Nous donner à toi, lave-linge presque en bon état. Portatif avec 4 petits trous. Oh là, oh là. Va falloir bien réfléchir parce que sinon tu meurs. Très bien. Tu pourras pas récupérer ce boulot, tu seras frustré toute ta vie. C'était de l'eau empoisonnée. Ça fait très mal. Ok, on a un symbole plus sur le côté. Moi j'adore les déchets hein, avant tout. Le oh. Masque de fer. 250$ quand même. Oh! Putain, c'est vraiment bien. Un produit laitier, bah non, ça se met directement à poubelle. Ok. D'accord. Touche pas l'eau. Hop là! Ça donne du bois ça. D'accord. Je cherche pas à comprendre. Donc on commence par croix. Voilà. Pourquoi il saute pas? T'as pas le droit de sauter? Ah pardon, j'étais accroupi. Ah bon, bon bah alors y'a aucun rapport avec la croix. Attends. Ah. Ah le plus. Ah oui. Voilà. Je te l'avais dit. Ok. Mais y'a pas d'autre plus? Ah mais en fait heureusement qu'on a fait ça, sinon on n'aurait jamais eu. Le fameux. En gros c'était l'objectif principal, c'était pas un bonus. On est vraiment trop fort hein. Attends, attends, attends. Ah mais y'a des... Ouais. Y'a pas un indice quelque part? Genre le prochain signe. Y'en avait un autre là-bas non? C'était un petit un truc que t'as acheté. Quoi que ça ressemble le truc qui est là. Là? Non, ça ressemble à une lune ça. Attends, je vais vérifier. Ah ouais, non, c'est une pierre en fait. Problème de texture. Tu l'auras pas celui-là. Je te dis qu'il va te frustrer. Il y avait un squelette. Hein. Ah, oui, mais c'est pour ça qu'il faut faire attention. Je le teste. Trop simple. Mmh. Évident. Évident. Tu me permets? Vas-y. Ouais, plus intelligent que tout le monde. Et si, je peux même aller jusqu'à faire ça, tu vois. Et à faire... Oh putain. Oh, oh, l'autruche. Putain. 260. Oh la vache. Ça c'est beau. Regarde l'autruche.
Ouais, ça c'est. Les connaisseurs diront que c'est beaucoup plus, mais bon, soit. Très bien. Il nous reste quand même pas mal d'objets. Hein. Qu'est-ce que c'est que cette tambouille? Ah, le chapeau d'Indiana Jones! Oh oui! Bah, tu vas le revendre, ça, c'est ce qu'il te dit. C'est beaucoup plus le chapeau d'Indiana Jones que 59$. Attends, moi, on a acheté des améliorations, c'est pour ça qu'on a plus de thunes. Oui. J'espère qu'on a tout eu sur cette île. Oui. Je suppose. Il est resté le hangar à bateau, on n'a pas tout fait. Hein. Wow! Qu'est-ce que. Ok. Alors, je vais vous vendre cette chaise en rotin. Vous la voulez? Je peux vous la donner, c'est pas grave. Bon, tant pis. Oh! Oh, une canne à pêche en forme du canard. 80$. Non. Hey man, je plane, j'ai cru voir un vaisseau spatial. Yeah right. Yes. Bah non, tu retournes... Pardon, je croyais que c'était pas celle-ci. Je voulais juste la vendre. Alors... Il y avait peut-être autre chose là-dedans, attention. Il y a une échelle déjà. Non. Ah, d'accord. Oh, c'était le man à la madame. Ouais, c'est une... Attends, donc pas d'échelle. Il y avait un objet de grande valeur et ils l'ont volé, c'est sûr. C'est le décodeur. La console de jeu. Oh, on a la console. Le joystick. Parfait. La gasoline. Oh, gratuit, les voyages gratuits, ça c'est parti. Ça c'est bien. Oh. Non, ça va être pas terrible. Oh. Ouais. Dommage. On peut pas avoir toutes les plus belles gonzesses de la région. Hein. Ça se mérite. Hein. Ok. I love USA. Vas-y, va sur le balcon, y a pas. Oh non. Ah. Vous êtes prêts pour votre daily dose of cringe? Allez. Allez hop, une bonne c'est gorgée. Parti. Une gorgée de délire. What the fuck, les aliens sur le bateau. Un peu déçu. Non, des fois c'était plus délire. On a vu plus délire. J'ai pas déliré là. J'ai volé les ampoules gitan. Je veux vraiment tout prendre. Eh, faut qu'on aille chercher le PQ d'or qui est sur le toit. Ah oui. Le truc c'est que je sais pas comment on fait pour y accéder. Bien sûr. Rien à creuser ici. Eh, sous la baraque. Ouais, parce que... Il y a peut-être la famille de Ligonès. Alors. Putain de merde. Mais tu dis que c'est lui. C'est le voleur. Nique ta mère. Tiens. On peut pas lui mettre un coup de pied dans les couilles. Non. Connard. Putain, je te prends tes bières, je te prends tout. Il en a... On a bu de la bière. Hein. Tiens, tu pourras plus t'asseoir du con. Voilà, t'as... super ta fête à la con. Tu m'as volé mes chiottes, je t'ai volé ta dignité. Ben voilà. Une base de cirque. Ah, ah c'est le... Nos petits... C'est pour les grenouilles, non? Ouais. Frog. Ouais, Frog Circle, c'est ça. Allez. Circus. Quel... Parfait. Yes, girl. Rien à creuser, c'est votre dernier mot. Oh putain, le mur invisible. Le PQ.
Le PQ. Le bon. Oh, po 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 po. What the fuck. Allez. Tu vas me faire sauter ça. Pas de crochetage. Paf. Oh. Ouh. Allez. Ah non, alors ouais. Ouais 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 ouais. La caisse en bois ou les tuyaux. C'est là, non? Ouais, vas-y. Faut que je saute. Bah oui. À nous les trésors. Ouais. Vous allez nous mettre des trucs quand même, vous allez pas nous mettre que des déchets là. Vous allez nous récompenser, non? Cassette, ah. Beau bec. Attends, je vais les laver. Dans la flotte, hein. Oh. Hop, nettoyer. Je pense vraiment que t'as trop de petits matériaux comme ça et que c'est pas utile. Vraiment, t'en as trop à mon avis. J'adore. Super. Bah attends. Ah. Ah. En or. En or et 120$ seulement. Vous foutez ma gueule si je gratte là. Il y en a pour 800$ minimum. Putain, ils se foutent de ma gueule. Faut les nettoyer un en peu. En or le bordel. Ça vaut une fortune. Ils sont complètement cons. Hein. Bien sûr que oui. Complètement débile. Hein. Faut tout leur apprendre. Hein. Objet restant, il en reste qu'un, hein, je pense. Peut-être avec le PQ. Et ben, le PQ. Ouais, c'est vrai que tu pourrais déterrer un truc, hein. Ouais, je me demande. Reste quand même que ce PQ est mystérieux, là. Bon, vas-y, fais-le gerber. Attends, il peut peut-être gerber. On part pour un tour ou pas? On coule. Trop bien. En plus on l'entend au loin. C'est spatialisé, t'entends. Il a 90 ans le bordel. Bon, je partirai pas d'ici sans mon PQ hein. Ouais mais le PQ mec, comment savoir quoi. C'est chaud hein. On l'entend là. Ouais, il est sur ce toit là. Ok, ok. Mais comment t'accèdes au toit? Ouais, l'armoire là, tu peux pas encore la rouvrir? De l'intérieur? Ah non. La cheminée, ouais, on peut peut-être casser les briques, j'en sais rien. Ouais, ça te l'aurait proposé si tu pouvais casser les briques. Non, pardon. Oh, voilà, bah, elles sont belles vos briques. Ah. Bah, je vois bien que derrière, y'a rien qui bloque, hein. Attends, mais on pouvait y aller ici ou pas? A-t-on déjà pu y aller au moins? Attends, je vais voir. Ouais, on peut y aller. Bah, ouvre-la de l'autre côté, du coup. Bah y'a rien qui la bloque si ce n'est la rouille à la limite. Bizarre. Elle est où la cheminée? Elle est là. Je pense que c'est dans la cheminée hein. Ils disent la fenêtre à l'étage, mais je vois pas ce qu'ils veulent dire par la fenêtre à l'étage. Le cerf. Planche sur la fenêtre de la chambre. C'est vrai qu'un petit jump comme ça, ils auraient bien kiffé, nous. C'est dommage parce que ce serait mérité, tu vois. Là, arriver ici, mérited. Quand même, quoi. Deuxième chambre. Ils ont l'air d'être étonnamment précis. La fenêtre à l'étage dans la chambre.
Vous êtes décevant. Et dans la première? Ah putain. On est nul à chier, putain. Ils ont encore eu raison finalement. Ah, vous cassez les coups, vous êtes intelligent, hein. Aïe 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 aïe. Dis pas ça, les commentaires de VOD seront atroces. Ah merde, ça veut pas dire qu'on est con, hein. Putain. Oh, le Saint-Pé. Saint-Pé. Il reste un objet, c'est ultra frustrant, ça va être ouais, super c'est frustrant, long. Mais non. Ça va être trop long de le trouver. C'est... Garde-le pour plus tard, là, fais-toi pas de mal. Pousse le vieux oncle et barre-toi. J'adore. Oui. Mais déjà 20, mec. Ouais, 20 c'est bien 20. On va se faire des couilles en or. C'est vraiment bien 20. On va faire du nettoyage, de l'assemblage. Maintenant qu'il y a le clavier, il va bien vouloir mettre la souris, non? Salope. Ah ouais, 500 $. Franchement, ouais. C'est notre plus gros lot, non? C'est énorme. 500 $. Avant les voitures, c'est énorme. C'est un beau paquet de pognon, ça. Pour rentrer. Non, bon, bah... bon, on va le foutre sur le présentoir. Oh. Mais sur le plus beau là, ouais. Ouais. Ouais, vas-y, bon, on va réparer ça. Hein. Ça, c'est un bolo aussi, hein. 250, c'est sympa. Ça, c'est bon, t'as largement de quoi le réparer. J'ai largement de quoi le réparer. Ça m'a bien fait baisser les roues crantées là, les... Oui, mais t'en as... Après, c'est vrai que t'en as pas beaucoup. Pas tant que ça. Y'a quoi à laver ou à réparer? Ouais, ça se répare. Ouais, faudra valider la mission aussi. Ouais. Oh, tellement de thunes à venir, je le sens là. C'est l'un des meilleurs jeux sortis cette année, hein. N'en déplaise à tous les triple A. C'est terrible, mais... mais c'est le cas. Pas plus compliqué, hein. Mettez de la thune, des objets, des trucs rares, et voilà. Là, vous nous rendez heureux. Ouais. Ah ouais, ouais, ça, ouais. Ça, il y a moyen d'avoir alors, un ça, lot je à 300 pense qu'on balles. Avait la console. Ah, une fois la deuxième manette. La salope. Putain. Putain! Ça, on a pas ça le je reste. Pense qu'on on a jamais eu le truc qu'elle est avec. Oh, ah ouais, plus le trépied et tout. Oh là. Et le cirque, il va être très très long à compléter. Hein. Ouais, il y a trop de grenouilles. On a qu'une seule grenouille. Ah! Ah, mais attends, ça va être pète couille. Oh non! J'ai eu peur. Passe-le ailleurs, passe-le par devant. Prends pas de risque. T'es sûr? Il passera pas. Il passe, merde. Oh, t'es tellement de grenouilles. Oh. Ok. Oh là, tous les lots qu'on a. Tous les lots. On a même pas cette place pour mettre tout ça. Eh, achète-nous des bons présentoirs avant d'ouvrir boutique là. C'est énorme. Parce que ça. 610 $, c'est quand même. Ouais, ça colle bien avec eux. Vas-y. 610 $. Vas-y.
Et puis l'autre aussi. Ouais, tu me fais ça. T'es voilà. Malade. Qu'est-ce que t'as fait là? Oh. Bah ouais mec, mais il faut y mettre le prix si tu veux quelque chose qui vaille le coup. Ouais, mais ça colle parfaitement l'once, tu le sais. Ça te fait chier de l'admettre. Ça te fait chier, mais tu sais que c'est magnifique. Putain. Celle-là, elle est jamais utilisée. Là, ce serait quand même dommage. Il est jamais utilisé. Vas-y, vas-y, utilise. Non, vas-y, on se le garde pour plus tard. Ouais, ouais. Et on a fini? On a fini. Vas-y, va te coucher, demain on va faire une bonne session de vente. J'espère, hein, parce que putain. Oh merde. Ah, c'était full bénéf, on a juste payé l'essence. Si on peut pas se faire plaisir, ça sert à quoi de gagner bien sa vie? Imagine, il y a une enchère où faut qu'on ait masse de thunes et on a même pas assez. Eh ben, on trouvera le dernier objet qui valera 2000$. Putain. Déjà, ouais, hey, on va revendre ce qu'on a trouvé là. Voilà. Et alors. Ouah, stylé. Oh, le petit cousin Kevin. Son alligator empaillé. Bien sûr que j'accepte. Ce sera. Ah, faut prendre le marais bateau. Maléfique, 5000$. C'est ça, mais bon, pas grave, pas grave. Écoute, mec, tranquille. Là, il y en a pour au moins 6000$ de BNF. Après, c'est beau, hein, c'est beau. Ah ouais, là, moi, j'ai envie d'acheter quand je vois ça. Et tu sais quoi, je pense que ça fait augmenter le prix des objets d'avoir. J'espère bien. Ah, tu vois, regarde, 7$. 7$. 16$. Écoute, tu nous le vends. Allez, et tu nous remplaces ça par quelque chose d'autre. Ça se voit qu'elle a des gens à tuer, elle. Elle achète bizarre, pas des couteaux pour rien. C'est celle qui tranche les... qui fait signe de trancher la gorge. Ouais, 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 ouais. Bah, elle va vraiment le faire avec un couteau cette 4$. Fois-ci. Fuck. Ah, super. Ah, on a plus de... D'accord. Ok, très bien. Putain, j'avais pas mis les clés sous la table, moi. Ah non. Oh, un voleur, j'appuie sur l'alarme. Oh. Nice try. Ouais, je m'en fous. Ouais. Sérieux? Comment ça? Après, ouais, c'est 28$ de plus, quoi. Bah ouais, tu veux faire quoi là? Il fait quoi? Il me touche pas. Putain, il est fou, quoi. Le ninja est sorti de sa cagette pour se rendre chez vous. Quoi? Vous pouvez cliquer ici pour le suivre grâce au GPS. Mais c'est quoi? C'est du spam? C'est du pourriel? C'est du gros pourriel, ça. Ouais. Oh, vous êtes fauché, hein. T'inquiète. Là, elle va dire 15$. Waouh. Le sens des affaires, je vois. Alors ça, c'est énorme. Ça, c'est alors, énorme. Ça, c'est notre plus belle pièce. C'est énorme. C'est oui, bien sûr. De la gonzesse qu'au mur. Oh putain, vous voulez le poster ou le truc chiant devant, là? Ouais, ça va. Ouais, bah ouais, bah 377$, écoute. Ça va, c'est bien. Putain, j'ai fait tomber mon briquet. Yes! Yes! Permettez que je reste derrière mon comptoir. What? On dirait que t'es vraiment au comptoir. Il va être c'est un client de merde, ça. Wow, vas-y, c'est bon. Dans le négatif. C'est bon. Casse-toi. De vas-y, base. On n'a pas quand besoin tu de veux toi. Pas négocier comme ça. T'es ça une merde. Oh, vous voulez le alors contenu? Alors ça. Allez, on peut faire un effort. On peut taper les 210$, madame. Pas mal. Oh la vache. 223. Vous faites plaisir, prenez-le. Il y avait encore mon chien dedans. Aucun problème. Hop. Jure, on a plus rien à mettre. Ah! Ah!
Mais pourquoi on n'a pas pu le mettre sur les autres? C'est complètement con. Ah, c'est peut-être des présentoirs. Tu vois, genre grand, machin, il y a peut-être des moyens, un truc comme ça. C'est un quoi, lui? Ah ouais, grande étagère. Et l'autre, c'était pas moyen? Bah non. Ah non, merde. Encore vous, vous avez full thune. Oh, aïe, 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 ça va. Oh là 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 là, lui, mais on le fait raquer, mais il vient défoncer à chaque fois, il se rend pas compte. Oh alors là mec, oh, on est passé de 500 dollars à 725. Non mais vraiment mais... Oh. Le braco, le braco. Oh c'est beau, je viens d'avoir un client là, je m'en bats les couilles de vous. Hein. Oh là là là. Ouais ouais si vous voulez. Vous plus, c'est la connasse des enchères là qui est tout le temps. Bah, c'est bon aussi. On casse-toi. Là. Oh, cet ordinateur là. Il m'a fait vibrer. C'était la plus belle vente qu'on ait fait hein, depuis l'ouverture ouais, du magasin. Vraiment. Ouais, magnifique. Qu'est-ce que. Billy, c'est toi qui. C'est toi qui grogne, Billy. Il a plus toute sa tête depuis la balançoire. Hé, hey, la voiture! On l'a vendue la voiture tout à l'heure. Ah bon? Ouais, ouais. Ah oui, pas c'est trop vrai. Mal. Mais elle, je dis, elle, ça sert à rien. T'es mais tu parles même pas. Connasse là. Ouais, t'as raison. Ouais, là, c'est ouais. Ça, ouais, va te faire foutre. On respecte le patron là. Ils avaient pas 5000 dollars avant d'acheter les étagères. Ta gueule. Ta gueule. Si t'es pas content, tu te barres de ma boutique, hey, connard. T'aimes pas mes étagères? Regarde-moi ça. Oh merde. C'est dommage sur la machine à laver de foiré. Oh ouais, deux fois de suite en plus, c'est vraiment dommage. Allez, vendu. Je peux pas, je peux pas. 300 dollars, j'ai envie de voir si on peut avoir mieux. J'espère que t'auras une meilleure offre. J'espère. Allez pour la petite sœur. Oh monsieur, ça fait toujours plaisir de vous voir. Ouais. Pas mal. Mieux. Franchement, 70 dollars de plus. C'est pas mal. Ouais. Alors, il nous reste quelques articles, là, on va se refaire. Cette chaise là, j'ai vraiment confiance, hein. Elle est incroyable. C'est notre pièce maîtresse. C'était la rocking chair de Lady Di. Les faut histoires. Inventer des histoires pour que ça se vende mieux. Oh, lui il a des thunes. Oh. Ouais, mais ça coûte pas cher, il achète vraiment l'article le moins cher de la boutique, quoi. Putain. Arrête de te pencher vers moi comme ça. Le mec est agressif avec son client. Arrête de te pencher vers moi, connard. Ouais. Franchement, tu sais quoi, on est passé de 30 à 50 alors que c'est une balle en plastique. Hein. Allez, prends ta balle là. Tu fais genre que t'as des mails. Le mec est occupé là. Attends, je voulais juste faire. Oh, c'est chiant à faire. Ouais, c'est un peu chiant. Ça me saoule. Tout ça pour gratter 5 dollars par-ci par-là. Ouais. Il y a tout le temps de café. Ah Sylvain le bouffe. Il a pris sa balle. Il a pris le c'est le bouffon, allez. Ah le bouffe, tu veux une machine à laver. Ouais, vas-y, vas-y, racle ce bouffon là. Allez Sylvain. Oh, oh ça commence déjà beaucoup mieux que tout à l'heure. Non, 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 c'est encore. Non, non. On va te faire hacker, bouffon. Ouais, bouffon. Bonne bon, c'est mieux que tout à l'heure, quand même. C'est mieux. Vas-y, vas-y, vas-y. On l'a quand même vendu beaucoup plus cher que ce que ça valait. Ouais, c'est très bien. Et il nous reste quelques articles, hein. Oh, vous avez pas vu. Lui, il rouspète souvent, mais il est chill. C'est bien, c'est bien. Ah ouais, c'est bien. Belle pièce. Ah ouais, on a la. Ah, le Tomahawk là. Ah ouais, c'est bon. Je t'ai dit, on a ramené pas mal d'objets, hein.
Je suis très content. Il m'a montré qu'il est content comme ça. C'est vraiment intelligent d'avoir mis ça dans le jeu quand même. Ils sont bons. Hein. Ils sont très très forts. Wouhou! Ah! Oh! Ouais, prenez-le! Bon, tu vois, regarde, 4337$! Et avec des belles étagères en prime! Non, on a vraiment une belle boutique. L'extérieur, franchement, c'est. Ça vaut pas ce qu'il y a à l'intérieur. Mais quand les gens rentrent, ils doivent avoir envie d'archer. Puis cette collection de plaques, oh là 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 là. C'est magnifique. C'est un coup de pied dans les boules direct. Hop là, réflexe. Ça s'est bien passé. Bon client lui. Hein. Mm. Très bon client. Toujours content de le voir. J'ai vu un autre jeu sur Steam qui a l'air sympa. C'est The Coin Game. Et c'est quoi le but? C'est un jeu où tu fais des petits boulots pour gagner de l'argent et après tu vas tout dépenser dans une salle d'arcade pour essayer de gagner plus. Et ça a l'air assez rigolo. Il y a plein de jeux d'arcade et tout. On dirait vraiment enfin un truc de la vraie vie quoi, les gens qui font un métier pas très payé et dépensent tout au casino. C'est ça, j'ai vu genre tu fais babysitter, tu nettoies des machins et après tu vas tout dépenser ou tout perdre. Ah bah avec grand plaisir. Le Coin Master. Master. Prochain live, on fait ça. Non, c'est pas mal, ça a l'air pas mal. Pff, non, cette chaise, non, elle me saoule, cette chaise en vrai. Ouais, mais attends, c'est bon, 11$ de plus, non. 41, je retiens, mais franchement, cette chaise est chiante. Hein. Vous avez pas une meilleure offre pour commencer, hein, je sais pas. Quand ça commence comme ça, ça pue des fois. Hein. Ouais, ça va. 80$ le chapeau, encore une fois, c'est pas dégueu. Ouais, ouais. Quand on pense à ce que c'est... Récupérer dans une vieille grange, ça va. Oui, The Coin Game. Non, non, c'est bien ça. Pas Coin Master. Mais non, Coin Master, c'est le jeu de... C'est pas le jeu de mobile, là, où il y a des pubs. Ah, peut-être, ouais. Oh, oh. Putain, ça, ah, 120, c'est une offre de merde. Ah non, non, vraiment non, pas. Non, monte à 25$ en plus là. Ouais, vas-y, vas-y. Flemme, mais ouais. Ouais, ouais, non, mais tu fais chier. Lui, il va négocier comme un connard. Ah non, ça va. Pas mal, écoute. Hey. Ouais. Ouais, allez, ça. Hors de ma vue. Bon, la chaise. C'est bon, la fameuse 41$, hein, le record. Le record de cette chaise. Cette rocking chair. Moi, je te la fais partir à 60$, mec, cette chaise. Allez. Faut juste une meilleure première offre. Et une négociation nickel. On va tomber sur la gonzesse un peu folle, tu vas voir. Ah, oh, merde. Duke Tucker, je sais que t'as de l'argent. Il a les poings serrés, là. Il est prêt à négocier. On a déjà dépassé, on est au record, on est au record. Ouais, ouais. Ah, le salaud, putain. Duke Tucker, tu es dur en affaire, mais j'accepte. Avec tes danses de... Putain, mon connard. Allez, c'est bon, on a tout vendu. Non, non, ça a fait la petite musique, ça veut dire qu'on a vendu tous les objets. Bah très bien, hein. Ouais, c'est une belle journée, on est retourné à 5000$, franchement. Franchement, 5094$, on est très très bien quand même. Et en plus, on peut faire cette enchère. Ouais, on pourra la faire, ouais. On arrête là ? Oh bah, il est l'heure. Allez. Il y a ça aussi. Je dis pas ça parce que j'étais à Gliatelle au saumon. Hein. Oui, voilà, il y a une motivation. Et il y aura les enchères, je sais pas ce que c'est, mais... Pour gagner en popularité, se trouve, après, t'as plus de... Peut-être que tu vends mieux, après. Ouais, peut-être bien. Il y a ça, hein. Genre les mecs qui tiennent la boutique là, Pawn Stars, je suis sûr que ils vendent mieux parce qu'ils sont connus. Hein. Ouais, vas-y, gratte, t'as raison. Gratte. Peinture pour voiture déverrouillée. On pourra avoir une nouvelle peinture. Ah, c'est bien ça. Toi, t'as un truc à déverrouiller en haut.
Ah, je vais remonter. Ouais, t'as loupé. Par contre, tu vas nous mettre la peinture sur la bagnole après. Hein. Oui, parce que bon, ça va. Elle est magnifique. Non, mais là, violette avec les flammes là. Incroyable. Ah, je suis d'accord, elle m'a tapé dans l'œil. Mais du coup, ouais, c'est bien, c'est que c'est des objets uniques, on trouve pas les mêmes objets. Ouais, ça évite un peu la monotonie, malgré la répétitivité. Non, mais en plus, on sait pas encore ce que c'est le truc d'enchère Non, mais même quand popularité je visite là. un truc, moi je suis en mode bah j'apprécie. Ouais, on se balade. Gros plaisir, quoi. Et en plus, la prochaine enchère, on a pas eu de chance la dernière là, je pense qu'on peut. On peut clutcher la Là, on va prochaine. prétendre à faire un bon deal dès le début. Ouais! Oh Mettez le la feu, vache. alors je me demande ce qu'on va mettre. Oh bah non, pas la camo. Paf. Et voilà. C'est bon. Et comment 5314. on applique la peinture à la bagnole? Je veux appliquer la peinture à la bagnole. S'il vous plaît. Ah, peut-être le pistolet, ouais. Oh! 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 Oh, et l'intérieur. Ah, oh, ouais, mais celui-là quand Oh, même. il est beau! Ah, oh, ouais, la Oh vache! la vache! Avec Billy, Oh non? C'est qui? putain! Oh, le vieux poulet! Oh, Non, mais c'est bordel! classe! Ah, oh, ça dépote, hein! Et Attention! l'autre? Ouais, Oh, c'est moi! basique, mais ça vaut pas le US. Oh, l'avant L'avant! déboîte, L'avant, il putain! déboîte! L'avant, mec! Wow! Oh, putain! Ah, il est beau. Ouais, on va partir avec ça. Hein. Ça, c'est magnifique, ça. America. Yes. Ah, c'est beau. Ok. Bon. Dernier mot de Voilà. la fin pour Billy, peut-être? Hey, les gars, Diana. Ok. D'accord. Super, merci pour la clôture. Merci bien. Attends, comment on clôture le live? Alléluia! Bonne soirée. Bonne soirée à tous! Salut! Au revoir.